Coucou les amis, bonsoir Nicolaya, je suis vraiment heureux de t'avoir avec nous. On a commencé déjà l'interview avec Nicolaya depuis un quart d'heure à peu près, donc Ouais. j'espère qu'on va répéter ce qu'on a dit parce qu'on s'est déjà dit des choses absolument exceptionnelles et géniales. Donc je suis très très heureux en tout cas d'être avec vous et je sens que là on va tous apprendre des choses. Moi j'ai déjà appris plein de trucs en un quart d'heure, donc ça va être assez fort. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Ce qui m'intéresse, moi, à chaque fois que j'ai un échange avec un invité, ce n'est pas forcément d'avoir le CV de la personne, mais c'est plutôt de comprendre comment tu as accès aux informations que tu vas nous partager. C'est-à-dire, finalement, déjà, comment tu es arrivé à percevoir ton aspect multidimensionnel galactique en toi, et surtout, après, d'où te viennent les informations que tu vas nous partager. Avec plaisir, mais d'abord bonsoir Ciné, merci de me recevoir, bonsoir à toutes et à tous, que ce soit voilà en direct ou en replay. Je suis très heureux de participer ce soir voilà sur ta chaîne. J'ai beaucoup suivi ton travail et vraiment j'ai trouvé très très vibratoire, et il m'a fait vibrer et donc ça je voulais t'en remercier également Ciné. Merci beaucoup. Merci. Alors par rapport aux informations que je partage, alors il y a différents moyens, différents canaux en fait que j'ai à ma disposition. D'une part, il y a mes recherches personnelles que je réalise donc à travers des recoupements d'informations, donc que ce soit d'informateurs, de contactés, de divulgateurs, etc. Donc je fais toujours des recoupements d'informations et ça, j'invite d'ailleurs tous les chercheurs de vérité, bien sûr, à le faire, c'est-à-dire prendre plusieurs sources qui parlent d'un même sujet. Et en fait, quand il y a un fil commun, connaissant des personnes qu'on voit qui n'ont pas de lien entre elles, etc., eh bien, il y a ce que j'appelle moi un faisceau de présomption. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'elles disent, mais ça veut dire que, il y a quand même sans doute un fond de vérité, il y a quand même un fond de vrai. Et voilà, il y a quand même un faisceau de présomption. Et plus il va y avoir de personnes qui ne sont pas en lien les unes avec les autres et qui dont on ressent qu'elles ont vraiment des bonnes vibrations, des bonnes intentions, et eh bien plus on va voir que les informations sont cohérentes entre elles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai notamment fait ça longtemps avec Eveium, qui est né en 2018, hein, où il y a quand même près de 7000 articles, dont de nombreux sur les anciennes civilisations, les aides de l'intra-terre, les aides des étoiles. Enfin. Et donc, ensuite, je valide, je vérifie certaines informations avec les êtres des étoiles. Donc, ça, je l'ai fait ça pendant longtemps, c'est-à-dire que il me disait, bon, ça va dans le sens du vrai, ça va pas dans le sens du vrai. Il y a des ressentis vibratoires aussi qui font appel à ma propre conscience. Et de fil en aiguille, finalement, à travers mon expérience humaine, mon vaisseau humain étant un vaisseau de Walk-in, c'est-à-dire avec une âme qui est différente de celle qui était présente à la naissance, et même c'est arrivé plusieurs fois, donc Walk-in multiple, et je ne suis pas le seul à être dans ce cas, il y a de nombreuses personnes qui sont Walk-in multiples mais qui ne le savent pas. Par exemple, ma fille, mon fils, voilà, je connais d'autres autour de moi qui le sont. Certains en ont conscience, mais pas tous forcément. Certaines personnes, bien sûr, après, avec le temps, finissent par comprendre que quand il y a un changement rapide au niveau de sa personnalité, de ses fréquences, ben, c'est pas forcément un cap qu'on passe, mais c'est parce que notre âme, notre corps de lumière, n'est pas le même. Voilà. Et donc de fil en aiguille, voilà, j'ai pu en fait me faire une idée en mettant les pièces du puzzle ensemble. Et comme je te disais tout à l'heure, Sidney, je prétends pas détenir une quelconque vérité. C'est pour ça que j'invite toujours les personnes à recouper les informations par rapport à ce que je dis, qui peuvent être des pistes de recherche, et également surtout chercher en vous. Parce que comme on le disait tout à l'heure à Sydney, certains êtres, certaines personnes ici et maintenant bah, qui nous regardent sont ce qu'on appelle des vieilles âmes. Donc des vieilles âmes, ça veut dire qu'elles ont de nombreuses incarnations sur Terre et elles ont toutes ces mémoires de tout ce qu'elles ont vécu et de l'histoire de l'humanité en elles.
Tout ça, on nous. Alors après, c'est pas le cas de tout le monde, même si, comme tu le disais, il peut y avoir des mémoires, comme Dolores Cannon l'a dit, des mémoires d'incarnation pour les starseeds qui viennent des Les étoiles. historiques empruntés, ouais. Voilà, des historiques en pratique qui viennent directement s'incarner sur Terre. Pourquoi? Parce que on était vraiment dans une matrice que l'on nommait d'enfermement, une matrice que l'on nomme archontique, une matrice d'enfermement. Et cette matrice, elle se dissout à pleine vitesse actuellement. Au fur et à mesure que je parle, au fur et à mesure que le temps avance, elle se dissout de plus en plus et elle sera plus dissoute à la fin de cette émission qu'au début. Et ça va vraiment dans le sens de la lumière avec les très hautes fréquences qui nous sont données par le soleil central, à travers le soleil et par le cœur de Gaïa même, et à travers aussi l'éveil de tous les êtres et toute l'aide de l'intra-terre et des galactiques que l'on en a à disposition sur Terre actuellement. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Merci en tout cas pour ton introduction. Quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aux galactiques, je me suis intéressé à certains ouvrages, un petit peu de référence, et j'ai eu la sensation, parce que tu parlais des sources, qu'au final, il y avait peu d'ouvrages au départ, et que beaucoup de gens finalement reprenaient ces ouvrages sources, comme par exemple la loi de l'un, je ne sais pas, la loi 1, Oui, je crois. la loi de l'un, oui. Par exemple, il y en a un autre aussi. Je crois que tu le lis aussi sur ton émission. Urantia, Urantia. Voilà, Urantia. Il y a aussi celui qui parle de la lyre. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le prisme de la lyre. Prisme de la lyre. Voilà, il y a aussi les livres de Crystal Chaïa, enfin sur la mémoire Oui, d'Orion. voilà, oui. Et en gros, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a ces quatre ouvrages, tout le monde a tendance à les prendre comme référence, même inconsciemment, sans le savoir. Et tu disais que finalement, il y a plusieurs sources, mais est-ce qu'il y en a tant que ça, des sources, ou finalement, est-ce que c'est pas toujours le même tronc commun? Alors, il y a pas mal de sources qui sont anglo-saxonnes. Donc, il y a énormément de sources aussi d'êtres qui sont décontactés. Il y a des sources aussi en Suisse. Vous avez un contacté célèbre qui a fait un travail, mais biblique, c'est-à-dire en termes de volume, qui est Billy Edward Andrew Meyer. Billy Meyer, hein, qui a eu un contact physique avec une être des étoiles qui s'appelle Sem Jazé. Des Pléiades et Taygète, secteur Taygète. Et donc, vraiment, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment il y a Sheldon Needle, par exemple aux États-Unis, qui lui est en lien, il me semble, avec les Sirusiens. Alors après, quand je dis Sirusiens, c'est les êtres des étoiles. Bon, parfois, on les appelle les Syriens. Moi, j'ai convenu avec eux. Voilà, certains d'entre eux m'ont fait comprendre, en tout cas, moi, j'ai compris comme ça, que pour pas confondre avec les Syriens du peuple de la Syrie, vous pouvez aussi les appeler les Sirusiens. Voilà, moi, je les appelle les Sirusiens. J'ai pris cette habitude. Pour les Sirusiens, il y a. Voilà, et puis, en plus, il est en contact avec d'autres êtres, hein, d'Orion, des Arcturiens, avec plein d'autres êtres, Sheldon Neatley. Il y a notamment un livre où il fait référence au peuple des étoiles. Vous en avez plein d'autres, en fait, mais qui sont notamment anglo-saxons. C'est vrai que si vous voulez faire des recherches, on va dire en termes littéraires, voilà, il faut se mettre à l'anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, Du ou alors coup, utiliser des outils de traduction, quoi. ma question c'est finalement, on a souvent les mêmes peuples qui reviennent, par exemple les Pléiadiens, les Sirusiens, ceux de la Lyre, les Vénusiens. Est-ce que c'est parce que, objectivement, ils sont réellement créateurs de notre histoire, ou c'est finalement une forme de, entre guillemets, téléphone arabe, même si j'aime pas dire ça, et finalement tout le monde a répété la même chose, ou est-ce que selon toi, vraiment, cette histoire de la création de notre planète, alors le sujet c'est l'humanité, pas la planète, mais en tout cas, est-ce que finalement ils sont vraiment nos ancêtres?
Alors, effectivement, non, ce n'est pas du téléphone arabe. C'est vraiment, il y a de très nombreux starseeds, donc êtres des étoiles qui sont en lien avec, en télépathie, qui en channeling avec des êtres, justement, on va dire pléiadiens ou autres, enfin, de cette origine-là. Et oui, ça fait partie, les pléiadiens font partie avec, voilà, les lyriens, avec d'autres peuples, de ceux qui ont façonné. L'humanité façonnée, même jusqu'au plus profond de notre véhicule d'incarnation, c'est-à-dire notre ADN, notamment aussi avec tout ce qui tourne autour des Anunnakis. Et les Pléiadiens ont œuvré, par exemple, du temps de la Lémurie. Et donc ça, c'est très bien expliqué. Donc ça, je voulais montrer ce livre-là. Dans les 12 couches de l'ADN de Crillon. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, donc voilà, c'est aux éditions Ariane. Hein. Je vais peut-être montrer un peu vite. Oui, c'est Crayon comme. Non, c'est pas Crayon, c'est C'est Cri. Crayon. Ah oui, d'accord. Ok. Mais ça, c'est en Voilà. français. En français, il y a le E, donc c'est Crayon en D'accord. français. Sinon, Mais c'est le c'est même canal que celui Crayon. qui canalise Crayon, c'est la même Voilà, chose. c'est Oui, voilà. Et en oui. anglais, il y a pas le, il y a pas le E, voilà. Et D'accord. donc, il explique bien en fait que du temps de la Lémurie, donc par exemple, il y a un mont à Hawaï. À Hawaï, c'était le sommet d'une montagne qui faisait plus de 13 000 mètres, je crois, en partant de voilà du fond de la mer. Hein. C'est la plus haute, le plus haut pic, le plus haut mont sur Terre, c'était Hawaï. D'ailleurs, ça y est peut-être encore quand on prend la mesure à partir du fond des océans. En tout cas, c'est l'un des plus élevés. Et que voilà, ils avaient besoin justement de froid pour faire leur travail génétique, pour effectuer leurs travaux génétiques. Et que il explique bien qu'au sommet de cette montagne, eh bien, les Pléiadiens ont modifié l'ADN humain, en fait, notamment en fusionnant deux chromosomes, qui fait qu'au lieu d'avoir 23 paires de chromosomes, eh bien, on en avait 24. Alors, ceci me renvoie au fait que, effectivement, donc, tous ces peuples-là, l'humanité a ses origines dans les étoiles, aussi bien en termes de véhicule, c'est-à-dire notre ADN, hein, notre vaisseau biologique et son programme qui le fait grandir, évoluer, en concordance bien sûr avec les fréquences de l'âme, avec les fréquences du corps de lumière qui vient s'incarner, eh bien, on tire vraiment notre origine des étoiles. Et donc, pour faire, si tu veux, j'ai pris des notes pour faire un petit résumé Oui, de bien l'histoire sûr, de l'humanité, si tu veux, je pourrais en parler on tout va à y l'heure. venir. Là, on est d'abord encore dans les questions d'introduction, mais bien sûr, on va aborder tout ce que tu viens de dire plus en détail et on va essayer de le faire de manière chronologique. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. J'ai toujours été très intrigué, par exemple, par Orion, la constellation d'Orion. Parce que quand tu regardes Orion, finalement, tu t'aperçois qu'il y a des étoiles, elles ont pratiquement jusqu'à 800 années-lumière d'écart, ce qui est gigantesque. Et on a tendance, par exemple, à dire, par exemple, moi, je suis un starseed qui vient d'Orion. Mais venir d'Orion, ça ne veut rien dire, par exemple. C'est du point de vue de la Terre, on voit un amas d'étoiles qui sont en fait, qui n'ont rien en commun. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai été un C'est petit ça. peu, voilà, surpris par tout ça. C'est vrai, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'en fait, nous, c'est une projection, en fait. C'est une projection qui forme, en fait, voilà, des représentations qui sont en forme de baleines, de chariots, etc. Mais en fait, ce sont des projections. Donc, c'est vrai que dire, par exemple, je viens d'Orion, ça veut rien dire. Entre guillemets, parce que bon, Orion, c'est une nébuleuse, il y a des milliers d'étoiles, et c'est là, dans cette galaxie, où il y a le plus grand nombre d'êtres qui sont le plus grand nombre de formes de vie différentes, de fréquences, etc. Donc, c'est vraiment un endroit très, très peuplé, Orion, dans notre secteur, notre quadrant. Et donc, par contre, effectivement, dire je viens d'Orion, c'est pas la même chose si tu viens de Minnetonka, que si tu Voilà, c'est viens de ça. Bételgeuse, que si tu viens de Rigel, que si tu viens, voilà, encore d'un autre endroit, tu vois. Donc, c'est important pour connaître son origine, ou en tout cas son origine, on va dire, celle avec laquelle on ressent un lien le plus étroit, on va dire. Parce qu'on est multifréquentiel, on ne vient pas d'un seul endroit. Hein.
Ah oui. Voilà, eh bien, par contre, on peut avoir une affinité fréquentielle avec tel ou tel lieu, c'est parce que le corps humain, surtout dans le passé, même encore maintenant, il n'est pas, à moins d'activer bien sûr ses 12 brins d'ADN et ses 24 brins d'ADN, mais il n'était pas capable, il n'est pas capable d'accueillir la puissance d'une âme, d'un être des étoiles. Hein, parce que notre corps, justement, il a été très limité en étant réduit à 2 brins d'ADN. Mais voilà, le fait est que notre conscience est reliée à notre divinité, est reliée à toutes ces fréquences, donc il n'y a pas de séparation, même si on ne peut pas tout incarner sur le plan de la stricte matière dans la densité, eh bien, ce n'est pas grave, parce que au niveau de notre soi divin, de notre divinité, les chakras du haut, eh bien, on a accès à toutes les dimensions, toutes les fréquences, toutes les réalités, parce que c'est une unité et qu'il n'y a en fait aucune séparation. Est-ce que c'est pour cela que, il y a certains êtres avec des fréquences élevées qui sont obligés d'attendre que l'enfant se développe ou devienne un jeune adulte, et donc pour pouvoir se mettre dans le corps, et donc le cas des Walk-in. Et il y a eu pas mal de questions dans ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner ta définition des Walk-in? Parce que, par exemple, on a Fabienne qui nous dit voilà, elle avait fait une interview avec Mathieu Roger, que tu connais bien sûr. Et qui a aussi, voilà, est-ce que tu as la même définition que lui? Quelle est ta définition de Walk-in en fait et comment tu le perçois? Et il y a aussi Sandy qui nous demande, est-ce que tu as eu ton Walk-in avant ou après la création d'Éveil Homme? Donc ça fait Alors, deux c'est questions. avant et après pour Sandy, parce que, comme dit, j'ai été plusieurs fois walking et même j'ai été porteur de plusieurs âmes en même temps. C'est possible aussi, hein. Il y a la possibilité que, donc, une âme, en fait, elle a accroché au corps par un cordon d'argent, et au-delà même, il peut y avoir des cordons plus élevés, comme le cordon d'or. Dans des fréquences plus élevées, dans les fréquences Christ, par exemple. Et donc, en fait, une âme, elle a accroché, c'est au niveau de la glande, soit pituitaire, soit pinéale, donc il y a un champ électromagnétique, et en fait, l'âme, elle a accroché là, et elle a accroché à d'autres endroits aussi au niveau du corps, notamment au niveau du cœur. Il y a des endroits spécifiques où l'âme, elle est vraiment incarnée, accrochée au corps. Et en fait, quand... il y a un changement en fait de corps de lumière, parce que moi je l'ai vu ça, j'en ai été témoin pour justement ma fille, j'ai été témoin de comment ça se passe. Et bien en fait, il y a le corps de lumière du walking, donc de l'être entrant, qui est mis dans le corps humain, donc ensuite il crée les connexions avec le corps pour que le corps reste en vie, et ensuite il y a le corps de l'âme sortante qui est pris dans un vaisseau, et ensuite on coupe les connexions avec le corps humain, et donc en fait ça fait un walk-in comme ça. Donc moi je l'ai vécu, je l'ai vu physiquement faire avec des vaisseaux, donc c'est des vaisseaux qui se présentent la nuit. Et en général, alors moi je parle voilà vraiment en toute lumière, hein, parce que j'ai strictement rien à cacher. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'est fait avec des rêves. Donc, c'est-à-dire que on est dans des rêves et pour faciliter en fait la tâche du corps humain, voilà, au niveau de l'inconscient, il y a des rêves qui sont induits aussi au niveau du cerveau pour que voilà les choses puissent se faire. Donc, et en général, bon, comme dit, ça se traduit par un changement rapide de personnalité, un changement rapide de goût, même d'amis. Souvent, les parents, les proches peuvent très bien dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus, t'as changé, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être les signes d'un walking, par exemple. Mais ça peut être aussi les signes de l'éveil, parce que j'imagine qu'on fait toujours un saut quantique aussi quand on s'éveille. Ça peut, mais un éveil, c'est plus progressif. Un walk-in, c'est vraiment un changement qui peut être très, très rapide. Et finalement, quelqu'un qui vit une expérience de mort, une EMI, fait une forme de walk-in aussi avec lui-même. C'est-à-dire que finalement, en revenant dans son corps, il peut avoir les mêmes changements de vie radical aussi qu'un walk-in, parce qu'il a fait l'expérience de sortie, de re-rentrer, Oui, ou vraiment. mais c'est pas un walk-in, sachant qu'il n'y a pas d'âme sortante. Oui. Donc l'âme sortante, en fait, on l'a appelée walk-out, donc c'est marcher dehors. En fait, walk-in, c'est-à-dire marcher à l'intérieur. Donc c'est marcher à l'intérieur du corps, Ah c'est-à-dire oui, il y a les rentrer dans le walk-out. corps.
Voilà, il y a walk-in et Ah. walk-out. Et ce qui peut arriver aussi, c'est qu'une âme soit entrante, par exemple d'origine des étoiles, et que pour une région X ou Y, eh bien, l'âme, en fait, qui était initialement dans le corps, reste dans le corps, mais se met en retrait. Effectivement, à ce moment-là, il y a une âme qui prend le dessus, qui est l'âme. Va dire qui prend en main la vie de l'instrument, si on veut. Et l'autre âme, elle est là, mais elle est en observation de ce qui se vit, de ce qui se passe. Donc, il Alors, est tout à fait possible ouais. d'avoir deux âmes liées au même corps, hein, voire même Alors plus. justement, il y a une question d'Olivier Debru qui dit, quand tu parles de plusieurs âmes dans le corps biologique, tu parles de projection de conscience de plusieurs âmes à ne pas confondre avec des fragments d'âme. Est-ce que c'est Alors, ça? les fragments d'âme, ça c'est encore autre chose, Olivier. Merci de poser la question. Les fragments d'âme, ça fait partie d'une même âme, donc d'un même corps de lumière, mais ce sont des petits morceaux, des fragments qui peuvent se trouver dans différents espaces-temps ou qui peuvent se trouver ici et là. Et par exemple, moi j'ai récupéré aussi des fragments d'âme, donc les fragments d'âme. On peut les perdre par traumatisme, on peut les perdre suite à des attaques d'entité, on peut les perdre voilà, dans différentes circonstances, dans des chocs émotionnels, etc. Dans des vies aussi parallèles ou des vies dites passées. Et donc on peut tout à fait les récupérer en résolvant, en allant au moment où on a perdu ces fragments d'âme, parce que on peut se projeter notre conscience dans l'espace et dans le temps sans aucun souci. Et en résolvant les moments où on a perdu le fragment d'âme à partir de notre niveau de conscience dans cet ici et maintenant, en posant de l'amour et de la lumière, à travers par exemple le pardon, à travers l'élévation vibratoire, eh bien on peut récupérer le fragment d'âme et le réincorporer, le réintégrer dans notre âme, dans notre corps de lumière actuel. Donc ça, c'est tout Je à fait vois. faisable. Je l'ai déjà réalisé aussi plusieurs fois, de nombreuses fois. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, entre le fait de walk-in et le fait de fragments d'âme. C'est des choses tout à fait, Donc, différentes. tu as déjà eu jusqu'à plusieurs consciences en toi simultanément. Par exemple, ça peut être plusieurs consciences galactiques ou quand même quand tu as Voilà. fait tes walk-in, à chaque fois, ça a été un remplacement ou ça a pu être en parallèle, c'est-à-dire en avoir plusieurs simultanément qui se Plusieurs croisent. simultanément, voilà, ça a Voilà, pu être ça doit être compliqué ça. ça a pu être le cas. Alors après, y a des accords entre les âmes quand ça se produit, hein. À ce moment-là, il y a des fréquences qui se mettent en jeu, et c'est en général c'est l'âme qui est la plus puissante fréquentiellement, qui est la plus celle qui a le plus de lumière, qui est la plus présente en termes de quotient de lumière avec ses fréquences, qui prend le dessus sur les autres. Il y a Michel qui pose une question. Alors, je suis désolé, Nicolas, j'ai plein de questions parce que là, Ouais, on ouais. passionne les gens. Donc, je vais essayer de répondre. Voilà, je vais peut-être pas, on va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais on va essayer. Alors, il y a Ouais. Michel qui pose une question. Et en fait, je crois que je suis assez d'accord avec elle. C'est en gros, l'âme quitte le corps pour laisser la place au walk-in. C'était son heure de départ. Mais ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, le Nicolas enfant, il meurt? Il fait quoi, en fait? Il se met en retrait? Qu'est-ce qui se passe? Mais le Nicolas enfant, c'est un esprit qui s'incarne à travers une âme. Moi, ce que j'ai conscientisé, c'est que c'était vraiment la famille de mon esprit, en fait, qui s'incarnait dans mon corps, mais à travers différentes facettes de l'âme source, on va dire, hein, parce qu'il y a une âme source, et à travers cette âme source, il y a des instances d'âme qui se projettent multidimensionnellement dans les espaces-temps, dans les incarnations, mais cette âme source, elle est liée à un seul esprit. Hein, donc c'est un esprit qui découle de la source et qui en fait donne l'intelligence de l'esprit, l'aspect créatif, créativité à l'âme, qui elle a son aspect plus aussi magnétique, qui est l'aspect mémoriel, qui est l'aspect le fait d'accueillir l'intelligence de l'esprit, d'accueillir l'esprit dans la matière et dans la densité pour faire l'expérience en fait des différentes formes. Parce que voilà, c'est nécessaire d'avoir un corps de lumière avec une forme,
Donc c'est de la lumière en fait qui est encapsulée dans une forme, c'est ce que j'ai conscientisé aussi, dans un corps en fait, donc dans une fréquence, et qui permet en fait ensuite à cette lumière qui est intelligente parce qu'elle est en communion avec l'esprit, c'est une émanation qui découle de la source, eh bien en fait ça permet d'incarner en fait différentes formes dans le multidimensionnel. C'est exceptionnel. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous partages. Alors, on continue un peu toujours sur le walk-in. Je pense que ça intrigue beaucoup les gens. Nathalie, qu'on a reçue dimanche sur Vibration Nouvelle Terre, nous demande peux-tu nous dire des couples sacrés, type flamme jumelle, dont un jumeau n'est pas incarné, mais qui rejoint finalement l'être aimé à travers un walk-in? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors oui, ça existe tout à fait. Il y a des êtres qui sont qui sont pas flammes jumelles, initialement, mais dont l'un des deux partenaires peut s'incarner en walk-in pour une raison X ou Y, par exemple, pour se mettre en couple ou en relation, en tout cas vibratoire, avec la personne pour l'aider dans sa mission, parce que la flamme jumelle, c'est souvent lié aussi à des missions. Alors, il peut bien sûr y en avoir des couples, heureusement, parce que c'est très, très vibrant, très, très fusionnel, c'est magnifique. Et il peut y avoir aussi des flammes jumelles qui ne sont pas en couple, mais qui peuvent être dans un aspect relationnel et travailler ensemble. En tout cas, ils travaillent au niveau vibratoire ensemble, dans le cadre d'une mission commune. Oui, Donc, c'est ça. Il y a toujours l'idée quand même que ça doit avoir dans le but d'œuvrer, en fait. Sinon, ça ne serait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de nécessité dans tout ça, ou d'utilité, ou de finalité. oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment l'élévation vibratoire, parce que en fait, c'est une seule âme. Une flamme jumelle, c'est une seule âme, mais qui a pris en fait deux instances, donc qui prend deux formes différentes, mais c'est une seule âme qui s'est divisée en deux. Et donc, de ce fait, quand il y a une union entre eux, ou quand il y a une présence vibratoire entre eux dans le même espace-temps, eh bien, c'est un pilier de lumière qui est très puissant, comparé à une personne qui est toute seule. En général, hein, Je vois très très bien. Alors, une question de fin auquel tu as déjà un peu répondu, mais je pense que c'est important pour ceux qui ne sont pas familiers avec le walking, c'est en quoi ça se différencie d'une possession en termes d'ingénierie énergétique? alors, une possession, en fait une entité qui prend la place. Justement, qui s'immisce dans le corps, mais sans l'autorisation, enfin explicite, de l'âme. Donc, c'est pas un échange d'âme, c'est une entité qui s'immisce, qui vient dans le corps, par exemple dans l'astral, le corps astral, et qui, par sa puissance, en fait, parasite et phagocyte l'âme qui est incarnée. Donc, de ce fait, par exemple, on peut très bien, il y a certains êtres qui peuvent très bien être ce qu'on appelle possédés, ça veut dire simplement avoir une entité, voire même plusieurs entités en soi, certains en ont. Et donc, de ce fait, une personne peut avoir tellement d'entités en elle que ce n'est plus son âme qui est aux commandes de son instrument, mais c'est les entités, les parasites. Et ça, c'est un phénomène de possession. Donc, heureusement, grâce à l'amour christique, bien sûr, on peut extraire ces entités du corps et voilà les envoyer dans la lumière comme ça doit être, hein, avec le raccord. Et donc ou alors voilà les placer dans certains espaces vibratoires spécifiques où elles doivent aller. Pour être extrait, en tout cas, on va dire, du corps. Donc, ça, c'est un phénomène qui est tout à fait différent. C'est plus astral, la possession. Il y a différents types de possession. Encore, il y a différents niveaux de possession. Il y a des possessions qui sont ce qu'on appelle possession, entre guillemets, qui sont plus sur des plans plus élevés. Donc à ce moment-là, il faut travailler sur les plans plus élevés
pour pouvoir couper les liens avec l'entité, etc., et l'entourer de lumière et puis la mettre sur le Je vois très plan bien. qui va bien. Je reviens un petit peu parce que je pense que la question de Fabienne est intéressante. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une EMI ou un accident qui va nous mettre dans le coma ou en tout cas qui va être violent que l'on fait systématiquement un walk-out pour laisser la place à un walk-in. C'est-à-dire, ça peut arriver d'autres manières que finalement, que comme ça. C'est pas du tout systématique en fait. Effectivement, c'est une UMI, ça peut être très bien comme dit, la même âme, ou dans le cadre d'une UMI, il peut y avoir un walk-in aussi. Les deux cas de figure existent en fait. Donc, c'est pas du tout systématique. C'est en fonction vraiment du plan, de l'âme, du choix de l'âme. Notamment avant de s'incarner, et des potentiels et des probabilités qu'elle a vues en possibilité de manifestation dans sa vie humaine. Alors, on a une question de Christian que j'aime beaucoup et qui fait référence à ce qu'on s'est dit un petit peu avant de lancer l'antenne. Et je voudrais quand même qu'on en parle, même si ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Alors, Christian dit, nous vivons-nous dans une sphère de conscience, dans un multivers? Et Alors, donc, la conscience voilà. absolue, c'est au-delà de la conscience en fait, c'est la A-conscience, on appelle la A-conscience, la conscience absolue. Il y a essentiellement deux, on va dire, faut expliquer comment est la création. Donc, il y a un noyau central, ce qui est le centre de toute chose, qui est partout et nulle part, qui est au-delà de tout et de rien, qui est l'absolu, qui est ce qu'on appelle la présence de la source centre première. Et là, c'est ce qu'on appelle le paradis, le centre paradisiaque, où il y a la source centre première, c'est celle qui a toujours existé, qui a émergé de l'absolu, qui a toujours été là. Et au niveau de ce centre paradisiaque, cette sphère, il y a également la présence donc de la source centre deuxième, qui est l'aspect du Fils éternel. Donc c'est la source centre première qui s'est elle-même divisée, étant androgyne, qui s'est divisée en deux, qui s'est Dupliqué quelque part? qui a donné, qui a enfanté en Ouais, qui s'est fait, auto-engendré. voilà, Ouais, qui tiens, s'est voilà. auto-engendré pour pouvoir en fait manifester la création, parce que comme elle est l'absolu, elle est tout rien, et il fallait qu'elle trouve en fait un procédé pour, entre guillemets, c'est pour se limiter quoi, Se parce que contenir, quoi. pour se contenir, voilà. Et donc elle a créé le Fils éternel, qui est un aspect donc père-mère aussi, parce que le Fils éternel, il y a l'aspect mère universelle, qui est la mère de toutes les âmes, de toutes les essences divines. Voilà, c'est vraiment la mère de toute vie. C'est avec, bien sûr, l'un contient l'autre, c'est-à-dire c'est pas parce que la source centre première a enfanté la source centre deuxième qu'elle s'est diminuée de quoi que ce soit. C'est-à-dire tout est présent dans tous les C'est comme aspects les de la source. dimensions en fait. C'est-à-dire Ouais, qu'une voilà. dimension englobe l'autre mais ne se perd pas dans l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. La cinquième contient encore la troisième quelque part. Voilà, On c'est parle de ça. dimension. Ouais. Et donc ensuite, donc il y a le Fils éternel, et les deux ensemble ont donné l'essence, donc naissance, donc c'est-à-dire la source qu'on peut appeler centre première, et la source centre deuxième, la source père-mère, la source fils-fille ou fils-mère éternel, ensemble ont donné la naissance à un troisième aspect de la source, qui est l'aspect de l'esprit infini. Qui lui a des différentes branches qui sont les maîtres esprits, qui ensuite permettent, gèrent les super univers. Et donc nous, on est dans un super univers, mais on est dans un univers local qui est en fait un tout petit aspect du super univers. Et donc, Wow. le début de la question, je suis un peu perdu. Non, c'était vraiment sur la. Je vais te la réafficher, mais c'était vivons-nous dans une sphère Ah, de conscience absolue, dans un voilà. multivers.
Voilà, donc en fait, finalement, donc autour de cette sphère paradisiaque, vous avez l'univers central. Donc l'univers central, c'est une manifestation de la source père-mère directement. Ce n'est pas une création évolutionnaire, donc ce n'est pas quelque chose qui a évolué dans le temps, mais c'est quelque chose qui a été créé, qui a toujours existé, en fait. Et ça, c'est l'univers central. Et autour de l'univers central, eh bien, gravite. Les super univers, donc y en a sept et d'autres sont en apparition. Et donc nous, on est dans le super univers numéro 7, qui en fait chaque super univers a ses spécificités parce que chacun exprime un but et une nature différente parce que l'objectif de la source, c'est de vivre sa nature en totalité. À travers l'amour et l'intelligence de ce qu'elle est, dans l'illimité. Et donc, pour ce faire, eh bien, par exemple, chaque galaxie a un but et une nature qui lui est propre et qui est Chaque unique. univers, même. Chaque univers, Voilà, on l'appelle. chaque univers, chaque galaxie, chaque super D'accord. univers, voilà, tout ça, c'est Tout ça vraiment. a des spécificités, quoi. Voilà, des spécificités et bien sûr, fonctionne dans l'unité, dans l'équilibre et tout est parfaitement, on va dire, équilibré. Et donc, oui, on vit dans cet espace. Donc, il y a cet espace-là, les super-univers, eux, sont des créations. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont apparus à un moment donné. À partir du centre, à partir de la source, hein, donc ils sont apparus autour donc de l'univers central, mais à un moment donné, ils n'existaient pas. Donc ce sont des C'est créations énorme. qui évoluent par itération, donc par itération successive, donc par expérience infinie, par expérience infinie, ça évolue jusqu'à devenir parfait. Et ensuite, il y a des courants, on va dire, qui descendent, des courants d'énergie qui descendent, des courants d'énergie qui remontent. Et en fait, c'est vraiment des cycles, c'est des flux et des reflux. C'est vraiment magnifique. Et le fait est que ensuite, il y a des par perfectionnement successif, eh bien, on peut ascensionner jusqu'à retourner dans l'univers central et jusqu'à retourner, eh bien, au sein de là où tout émane, donc le paradis. Mais Donc, ça c'est après des, je sais pas, des éons et des éons. des éons et des éons et des éons, voilà. Du coup, Christian dit donc une projection de la singularité de la conscience primordiale. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai conscientisé qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, alors j'ai été vraiment connecté à ça, j'ai été pris en charge par la source, je ne peux pas dire autrement, de fil en aiguille. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais quitté, entre guillemets, la source. En fait, je fais que me projeter. Dans l'espace-temps, je me projette par projection de conscience dans les dimensions, les fréquences, les univers, les galaxies, mais en fait, je suis toujours au sein de la source, quoi. Mais je fais mon expérience comme ça, par projection de conscience, par des créations, des projections de création comme ça dans l'espace-temps, dans les De toute fréquences, façon, dans tu es les toujours la univers, les source, même. énergies. Voilà. Et finalement, ben, c'est la même chose pour tout le monde, pour toutes les créatures. Et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, derrière moi, je me suis dit, mais en fait, la source, c'est un seul être. Il n'y a qu'un seul être qui existe, c'est la source. C'est Et ça. toute vie est la source C'est ça. dans l'une ou l'autre de ses manifestations et dans l'unité de l'amour et de l'intelligence. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment, si vous devez finalement retenir quelque chose de ce soir, de notre échange avec Nicolaïa, au-delà de toutes les informations, c'est reprenez les clés, de votre souveraineté et vraiment, chacun de nous est source. Et finalement, même si ça nourrit, d'accéder à des connaissances, ne vous perdez pas dans ces connaissances, au profit de votre propre prise de connaissance, enfin de conscience de tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus? C'est ça, c'est que je voulais dire, en fait, il y a toujours un équilibre à rechercher. Donc c'est, moi, je suis adepte de ce qu'on appelle la voie du milieu. La voie du milieu, c'est en fait un équilibre entre les informations qu'on accède à l'extérieur et qui ensuite donnent des résonances et des prises de conscience
en résonance par l'effet miroir en notre intériorité et entre le fait d'aller en soi pour aller chercher justement sa divinité, pour aller ce qu'on appelle, bah, on peut l'appeler le samadhi, hein, certains l'appellent le samadhi, c'est-à-dire cette expérience d'unité où on est en lien, en unité avec l'esprit, ou cette expérience que j'ai touché du doigt, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu, on va dire, de manière indirecte ou pas totalement, on va dire, qui est cette expérience où on n'est tout rien. Et en fait, voilà, on se sent lié à toute vie, mais en fait, on est partout et nulle part parce que voilà, c'est ça l'expérience de Samadhi, hein, c'est où on est dans ce rien qui est tout, dans ce tout qui est rien et dans cette unité parfaite, là où on est un vraiment avec l'esprit. Ah bah super, Carla, moi ce que j'ai vécu, c'était des choses qui s'en rapprochaient. Moi j'ai vécu, par exemple, des flashs de lumière par des unions sacrées avec des groupes d'êtres des étoiles au-dessus, donc au niveau de chakra du groupe d'étoiles de l'âme, où j'ai vu des grands flashs de lumière, mais en fait, ces flashs de lumière, si je les avais incorporés dans mon humain, hein, ça aurait été voilà, aussi des expériences d'illumination. C'est magnifique, Carla, c'est super que tu aies vécu ça. Y a une question de Nathalie que je trouve très pertinente. Que peux-tu dire des plans de l'ombre dans cet univers? Proviennent-ils d'un autre univers? Alors, j'imagine qu'il y a une partie de l'ombre qui vient de nous-mêmes déjà, mais qu'est-ce que tu penses vraiment de est-ce qu'il y a vraiment une percussion entre notre univers et un autre univers finalement? Oui. Alors, effectivement, et ça, je l'ai conscientisé au fur et à mesure que j'ai découvert la chose. Alors, il y a différentes fréquences moi, j'appelle des fréquences de densité, hein, des fréquences, on peut même les appeler d'illusion de séparation. En tout cas, c'est des fréquences très mentales, très programmées, très denses, très lourdes, qui vont dans le sens de rechercher à l'extérieur au lieu de justement de rechercher à l'intérieur. Et donc, ce sont des êtres dont certains, par exemple, se sont coupés à plus ou moins égard de la source parce que voilà, ils n'étaient pas en accord avec certaines circonstances ou suite à certaines expériences. Et donc, ensuite, quand cela se produit, quand on se coupe de cela, eh bien, ils ont eu besoin, en fait, pour survivre, d'accéder et de développer notamment des aspects technologiques pour survivre eux-mêmes. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et finalement, ils se sont mis à dans des fréquences de conquête extérieure, conquête de peuples, modification génétique de peuples, de planètes, etc. Dans le but de créer voilà, des empires, de contrôler, etc. Un peu, en fait, de faire une sorte, entre guillemets, de mini-création parallèle, mais avec leur état d'esprit à eux, qui est un esprit pyramidal. Alors que la lumière n'est pas pyramidale, elle est plutôt, j'ai envie de dire, présente partout et nulle part. Elle est sphérique, l'intelligence de la lumière, les particules adamantines, la lumière, elle est présente partout autour de nous. Après, c'est à chaque conscience de l'engranger, de la capter, de s'y connecter, de prendre en charge cette information et de voir qu'est-ce que c'est comme information et de faire le tri dans tout ça. C'est plutôt sphérique ou circulaire, hein, entre guillemets, les Les hiérarchies, univers. parce que c'est pas des hiérarchies, mais c'est plus du leadership, on va dire, au niveau de la lumière. Tandis que chez les êtres qui sont dans ces fréquences d'illusion de séparation ou, on va dire, des basses vibrations, des vibrations de la matière très dense, eh bien, chez eux, c'est très souvent pyramidal. Hein, donc c'est pyramidal, donc c'est-à-dire Ah oui, voilà, il c'est y a ça. C'est soit voilà. circulaire quand on est aligné, soit pyramidal quand on est dans une volonté de domination et d'aller vers. Voilà, c'est ça. Et quand c'est circulaire, il y a un aspect qui est un aspect leadership, qui est un aspect fréquentiel. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, les êtres des étoiles, ils ont des clans. C'est des groupes d'âmes, c'est des familles d'âmes. Donc, ils peuvent avoir des clans de guerriers spirituels, des clans de chercheurs spirituels, des clans de généticiens.
physiciens, des clans de chercheurs en technologie cristalline ou je ne sais quoi, des choses de cet ordre-là, des choses qu'on peut pas, voilà, on n'a pas toutes les infos non plus encore, bien sûr, ça va venir hein, au fur et à mesure qu'on va interagir avec eux, mais en tout cas, il y a différents clans spécialisés, ça peut être des navigateurs spatiaux, etc. Différents clans, en fonction des peuples, ça varie en plus, hein, effectivement. Et donc, il y a des chefs de clans. Et ces chefs de clan, ce sont des âmes anciennes, ce sont celles qui ont l'expérience de vie, justement, qui ont la sagesse nécessaire et qui sont reconnues par leur fréquence, par leur charisme, par leur capacité à trouver des solutions, par leur capacité à répondre aux problèmes qui se présentent au sein de leur clan et au sein de leur peuple, qui sont des leaders reconnus de tous et de toutes, mais c'est quelque chose de naturel. Donc c'est un leadership plutôt que quelque chose qui est pyramidal. Et ensuite, ces leaders de clan, eh bien, ils appartiennent au gouvernement, donc les différents... Enfin, c'est pas un gouvernement, c'est plus quelque chose de consultatif, d'englobant. Ce ne sont pas des lois, par exemple, un conseil d'êtres des étoiles ne promulgue pas des lois. Par contre, il fait des propositions évolutionnaires, etc., mais qui sont ressenties en conscience collective au niveau des peuples concernés. Et comme c'est issu de la sagesse et de la lumière, eh bien, ça coule de source, en fait. Ce sont des évolutions. Il y a des équilibres entre la conscience collective et en fait, les différents conseils. Et finalement, c'est une gouvernance tout à fait fluide et qui se fait sans heurts, de manière tout à fait naturelle et évidente. Et après, si l'un ou l'autre des êtres n'est pas forcément d'accord avec l'orientation, par exemple, de la planète où il vit, eh bien, rien ne l'empêche, eh bien, d'aller avec d'autres peuples sur d'autres planètes où il est plus en phase avec une évolution, une autre, et de ce qu'il a envie de vivre. Tu nous dis que ce n'est pas des lois, mais pourtant il y a bien la loi du libre arbitre et de la non-interférence. C'est bien une loi, ça. Oui, alors après, c'est vrai qu'ils ont des, c'est plus des normes ou des codes, mais en fait, pour exprimer ça, ce sont des évidences en fait. Nous, on prend ça en termes de loi ou en termes de, voilà, en des termes humains, on peut dire oui, ce sont des lois, etc. Mais en fait, c'est tout simplement des évidences évolutionnaires parce Comme des que principes. voilà, ce sont des principes parce que il y a dans le cadre des différentes possibilités de la conscience, il y a différents niveaux fréquentiels de lois en fonction des dimensions, des fréquences, etc. Plus on évolue aussi, elles changent hein, dans les plans les plus élevés et c'est cumulatif. Et en fait, ben forcément, si maintenant il y a une civilisation évoluée qui vient se présenter à une civilisation ben, qui est de l'ordre de l'âge de pierre et qu'elle modifie son évolution naturelle, ben forcément, elle va avoir une responsabilité. Il va y avoir des liens karmiques, il va y avoir des conséquences pour le peuple qui vient en l'occurrence se présenter parce que elle vient modifier le plan évolutionnaire, parce qu'il y a des plans évolutionnaires. Pour les peuples en fait. Donc, ces civilisations extraterrestres viendraient modifier un plan évolutionnaire, c'est-à-dire un plan expérientiel. Et les plans expérientiels sont liés aussi au plan de l'âme, de ce que va faire comme expérience une âme pour pouvoir grandir et vivre son amour et sa lumière, son intelligence sur le chemin de son évolution. Donc, c'est pas du tout anodin. Et c'est pour ça que les contacts ne se font que avec les civilisations qui sont prêtes pour de tels contacts et dans le Prendre la sens où responsabilité, quoi. voilà où il ne va pas y avoir de préemption. Donc c'est-à-dire ça, les êtres de lumière ne vont pas venir préempter des peuples parce que ce n'est pas leur rôle de préempter les peuples. Leur rôle c'est de les protéger. Par exemple, s'il y a besoin de protection par rapport à des races conquérantes, leur rôle c'est de les accompagner, mais sans se faire voir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait ben, depuis des éons sur Terre. Et je compte, voilà, je voulais On va y également en arriver, parler, on va y arriver. en parler. Et donc Oui, c'est ça, parce qu'on est d'accord que notre création, c'est un interventionnisme. Tout ce que tu décris, c'est finalement quand ils ont pris des singes et qu'ils en ont fait des êtres adamiques,
Ils ont bien fait une ingérence là, quand même. Alors oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le plan de ce qui se déroule sur Terre, c'était pas du tout celui-là initialement. Il a été tout à fait chamboulé à différentes reprises suite à l'intervention et à la présence d'êtres non humains sur Terre. Mais ça, c'est pas le cas pour tous les peuples. C'est arrivé sur Terre, mais ça n'arrive pas forcément partout. Alors, on parlait tout à l'heure des énergies involutives d'un autre univers. On entend souvent, par exemple, que les archontes sont aussi liés à la création de l'homme. Est-ce que finalement, c'est aussi des énergies involutives? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, est-ce qu'elles viendraient d'un autre univers? Est-ce que les archontes, par exemple, pourraient venir d'un autre univers? Ou comment c'est lié? En fait, ça faut raisonner en termes de fréquence, en termes de, ouais, en termes d'énergie. Alors, dans la galaxie, si tu veux, il y a différents points d'entrée de ce qu'on appelle des fréquences involutives ou archontiques. Il y a différents points d'entrée dans les galaxies en fonction des peuples qui sont sous contrôle, etc., ou qui sont dans des expériences très matérielles, très, très denses, etc., ou qui ont été colonisés par différentes races qui ont été elles-mêmes créées, certaines par génie génétique pour être des races conquérantes, etc. Tout ça, c'est très, très vaste. Et souvent, en fait, il y a en bas d'échelle, il y a des robots biologiques. Au-dessus, il y a des races qui ont été créées génétiquement pour contrôler les races biologiques. Au-dessus, il y a en fait les races, on va dire inorganiques. Et au-dessus, il y a enfin, c'est très technologique tout ça, etc. Et donc, en fait, l'un des points d'entrée, en fait, dans la galaxie, il y avait notamment Orion. Plus encore d'autres endroits où il y a différentes races qui sont dans des fréquences de basse vibration, on va dire de conquête, etc. Et aussi voilà on peut dire d'hyper protectionniste, c'est-à-dire tournée hyper hyper tournée vers elle-même, pas ouverte vers les autres. Ça dépend. Enfin, après, il y a différents niveaux, hein. Des fois, il y a du noir. Après, il y a du noir un peu plus clair. Il y a du gris. Hein, il peut y avoir du Une nuance, rouge, quoi. du riz. Voilà. Il y a plein de fréquences. Il y a plein de nuances qui existent en fonction des intentions des peuples, etc. Et donc ça provient en fait. Moi, j'ai remonté le fil. Ça provient d'autres univers. OK. En fait, ce qu'on appelle l'involution, voilà, qui s'est immiscée jusqu'ici maintenant, ça, les fréquences viennent d'autres univers. Et le fait que nous, on guérisse et qu'on aille vers la lumière, eh bien, ça permet justement à de nombreux peuples de se libérer. Ça permet aussi de montrer, de donner un exemple aussi pour d'autres peuples que malgré notre ADN qui a été fortement modifié, avec une aide suffisante, avec une lumière suffisante et un soutien suffisant de la part des êtres de lumière, eh bien, on peut tout à fait inverser la tendance et recréer une civilisation qui soit alignée cette fois-ci à la lumière authentique et à l'esprit, à la matrice christique et divine, telle que c'était initialement prévu, telle que c'était originellement. Dans tout notre univers, hein, pas simplement sur Terre, on est d'accord. Oui, tout à fait. Alors après, il y a différents niveaux. Il y a certaines galaxies où il y a plus de présence de fréquences dites de séparation ou d'illusion de Involutive, séparation ouais. involutive. Voilà. Ça dépend des galaxies. Bon, nous, il y en avait beaucoup. Mais tout ça, je parle au passé parce que il y a beaucoup de choses qui ont été guéries, il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui ont été prises en charge dernièrement, justement par ce qu'on appelle l'administration divine, donc c'est-à-dire les soleils centraux de chaque Ah oui, c'est galaxie, ça. voilà, et par les Comme Alcyone administrateurs. chez nous, par exemple. Alcyone, c'est notre soleil central. Voilà, Alcyone, on peut l'appeler Alcyone, on peut l'appeler, certains l'appellent autrement. Donc en fait, le soleil, on est dans le soleil central quelque part. Le soleil central, c'est celui qui a les plus hautes fréquences, c'est là où il y a toutes les dimensions. Donc moi, ce que j'ai vu, par exemple, c'est que la Terre, elle est dans le soleil central, mais c'est comme si c'était une bulle, en fait. Donc c'est une bulle, une sphère de conscience qui est dans une plus grande sphère de conscience qui est
le soleil central en fait. Et le soleil central de la galaxie de la Voie lactée, il est lui-même dans une plus grande, englobé dans des fréquences plus élevées, dans une sphère de conscience plus grande encore, bah, qui est la galaxie d'Andromède. Andromède qui contient, qui est la galaxie mère de la Voie lactée et qui est Ah. et d'autres galaxies encore comme Shapley et d'autres galaxies. Du groupe de cluster de galaxies dans lesquelles Voilà. on est voilà. On va peut-être commencer le sujet Ouais. de notre interview. Petite question entre parenthèses et après je te laisse commencer. Il y a souvent confusion et je vois que Fabienne met en avant cette confusion entre justement les archontes et les reptiliens. On est bien d'accord que les archontes sont des reptiliens, mais que tous les reptiliens ne sont pas forcément évolutifs. Exactement, hein, exactement. Alors, il y a de nombreux, très très nombreux êtres reptiliens qui ont cette forme, hein, qui font l'expérience, qui font l'expérience de la vie, parce que eux aussi, hein, ceux qui sont pourvus d'une âme, eh bien, ce sont des esprits qui prennent une forme, comme tout le monde, comme nous tous. Eh bien, y en a des involutifs, mais il y en a aussi beaucoup d'évolutifs. Y en a beaucoup qui ont repris le chemin de la lumière, ou il y en a beaucoup qui n'ont jamais quitté le chemin de la lumière, qui ont toujours été dans ce type de fréquence d'unité. C'est très variable, en fait. Et c'est une minorité qui a pris un chemin, on va dire, plus de conquête, de basse vibration, de matérialisme, de densité, etc. Dont certains, d'ailleurs, se sont fait conquérir, ont été conquis par des peuples plus agressifs ou plus anciens ou plus technologiques, parce que ce sont des mondes qui sont très technologiques. Et moi, j'ai eu un aperçu, parce qu'on m'a envoyé dans un de ces mondes pour avoir un aperçu, justement dans ce système pyramidal. Alors moi, c'est formidable parce que j'ai été dans des fréquences très basses pour qu'on me montre, et puis je suis allé aussi dans des fréquences très élevées. Donc j'ai vu, voilà, plein de fréquences, de dimensions différentes, et donc on m'a fait aller. Alors moi, j'ai ressenti vraiment que c'était comme quelque chose de très froid, quelque chose qui est stagnant, tu vois, une conscience qui est froide, stagnant, des choses qui sont très calculateurs, des choses qui sont très dans le mental, en fait. Il n'y avait pas de vibration de cœur, voilà, c'était vraiment très froid, calculateur, presque comme, ça donne une sensation de mort, entre guillemets, pour un être humain. D'administration. Voilà, très très spécial, très spécial. Qu'est-ce que tu ressens, toi, sur l'approche de dire que certaines fois, par exemple, les êtres de l'intra-Terre ou certains galactiques seraient des versions de nous d'un autre temps? C'est-à-dire pas simplement d'un autre espace, mais d'un autre temps. Par exemple, est-ce que ça peut être des nous du futur ou du passé, ou est-ce que c'est vraiment d'autres peuples et ça n'a rien à voir? Ou est-ce que ça peut être en théorie toujours appartenir à la Terre, mais d'un autre temps ou d'un autre espace-temps? Alors juste pour, est-ce que tu peux revenir au tout début de ta question, s'il Oui, te plaît, sinon. en fait, moi, ça m'arrive, tu sais, il y a les galactiques, mais il y a aussi les voyageurs temporels. Oui, oui, Et oui. en fait, ça m'arrivait des fois de me demander si, enfin, de le recevoir même en information, si certains galactiques avec lesquels on est en contact, c'est pas nous. Dans 1 million d'années, 3 millions d'années, qui allons Oui. évoluer et devenir peut-être ces êtres qui vont revenir nous voir maintenant. C'est ça, bah, c'est tout à fait le cas. Ça Ah. peut être, le cas. En fait, pour te donner, oui, un exemple, bah, oui, il y a différents êtres qui sont des voyageurs de temps, et quelque part, comme on en discutait en préambule, bah, nous sommes êtres humains et nous avons des parts galactiques. Mais en fait, bon, au-delà de dire on est être humain, on peut très bien dire aussi je suis un esprit, je suis divin qui fait une expérience humaine. Ça marche aussi, bien sûr. Et donc, en tout cas, en tant qu'être humain, dans notre incarnation humaine, on a des parts, des aspects galactiques, et certains galactiques ont des aspects humains aussi. Et bien sûr, comme il n'y a pas de séparation, on est en lien avec eux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que j'ai des aspects de moi, donc qui ont des formes, qui ont une forme, qui sont incarnés. J'ai un aspect qui est de qui comprend des fréquences de la lyre, de Sirius, Hmm.
d'Alcyone. J'ai d'autres aspects qui sont intergalactiques. J'ai des aspects qui sont dragons. J'ai des aspects qui voilà sont ce que j'allais dire. J'ai des Voilà, aspects ça. qui sont félinoïdes. J'ai des aspects Exactement. qui sont félinoïdes de Sirius, d'autres félinoïdes de la lyre, qui sont dans d'autres fréquences, d'autres dimensions, dans des dimensions plus élevées à la lyre qu'aux côtés de Sirius. J'en ai dans l'intra-terre. J'en ai à Shambhala aussi. J'ai une C'est présence pas très. fatal, tout le monde en a autant. Mais c'est tout le monde. On est tous égaux en fait. On a tous des parts. Moi simplement j'ai reconnecté à ça en fait. Mais tout le D'accord. monde, si tu veux, tout le monde a cet aspect-là. Donc c'est Wow. l'esprit. Et en fait, donc quand je parle à ces êtres-là, ben, je parle à un autre moi en tant qu'esprit, mais qui est une autre version de moi en fait. C'est moi, mais qui fait une autre expérience à travers une autre forme dans d'autres fréquences, dans d'autres consciences, mais ça reste moi. Moi je suis lui, lui il est moi. Donc, C'est ça rejoint un peu ce que disait Nathalie, c'est est-ce qu'il y a d'autres planètes de notre univers ou de notre galaxie qui s'intéressent à ce qui se passe sur Terre pour leur propre intérêt? Mais si c'est nous, c'est pareil. Ils sont nous, on est eux, donc ça revient au même, que ce soit sur des après planètes ou sur c'est des êtres. Après, ça, c'est dans son, ça, c'est dans son, dans, dans, dans son esprit, hein, dans, c'est dans sa, dans ses, au niveau de son âme source, hein, c'est ce qu'on appelle les doubles. Après, il y a d'autres êtres qui ne sont pas nous directement, Oui. voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres qui ne sont pas nous directement, qui peuvent être d'un même peuple où nous, on a une présence, donc, mais que ce n'est pas nous, savoir que c'est un autre esprit, que c'est une Enfin, autre c'est nous, âme, mais ou, très très loin, quoi. C'est voilà, nous au niveau de la source, voilà, mais voilà. c'est nous, mais à un autre niveau. Après, c'est comme un arbre, en fait. Oui, Hein, c'est donc ça. vous avez en fait des bourgeons, et ensuite vous avez des branches, et après la branche, elle rejoint une plus grande branche, etc. Ça peut très bien être nous, mais en fait, il faut remonter plus loin au niveau de la branche. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est toujours, on va dire, ultimement, c'est toujours soi, autre soi. Donc c'est toujours une autre émanation de la source. L'autre soi, l'autre être est toujours un équivalent à nous, mais c'est à dire un autre aspect de nous, un autre aspect de la source, voilà, tout simplement. D'accord. Mais avec Ok. une unicité différente, donc c'est-à-dire avec des particularités expérientielles et fréquentielles qui sont uniques et propres à chacun. Ok. Alors j'ai l'impression que ça fait juste 5 minutes que tu es avec nous, mais en fait pas du tout. Voilà. Donc, genre, j'ai l'impression qu'on vient de commencer l'interview. Donc on va la commencer. Écoute, comment tout commence? Peut-être pas pour la Terre, parce qu'on a survolé le sujet, là il nous faudrait un an d'interview. Mais en tout cas, on peut parler de race, de toute façon, on n'est pas obligé de parler de race, on va dire pour la race humaine, quelque part. Oui, les races ou les peuples humains. Alors, juste pour répondre à Moissy, alors effectivement, il Oui. faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre l'expérience, donc entre le soi expérientiel et le soi existentiel. Donc, le soi expérientiel, c'est cet aspect de nous qui fait l'expérience de l'intelligence, de l'amour, de la lumière, qui la met en mouvement. Et il y a le soi existentiel qui, lui, a toujours été là, qui a toujours existé. C'est notre racine. C'est ce que l'on est. Et ça, ça n'est pas soumis à l'évolution. Ça a toujours existé, ça a toujours été, ça émane de la source directement. Très bien, merci pour ta précision qui n'est pas du tout anodine et qui est très importante. Alors, comment on commence du coup notre histoire en tant qu'humanité? Alors oui, alors pour faire les choses dans l'ordre, au niveau des peuples, alors bon, on peut appeler race, c'est pas un souci de toute façon, c'est vrai que nous humainement, enfin pas mal de personnes peuvent avoir l'idée race, bon c'est un peu polarisé, ou ça a une signification spécifique, on va dire, dans certains C'est nous qui esprits, mais avons mis une charge, mais ça y est pas, quoi. Voilà. voilà, c'est ça exactement. Donc, on va dire les différents peuples ou races humaines, donc ont existé, coexisté sur la Terre, ont toujours existé ou coexisté à différents niveaux et en différentes proportions avec des êtres des étoiles. Les êtres des étoiles ont toujours été présents sur Terre et sont même antécédents
à la présence humaine sur Terre. C'est-à-dire que la race humaine ou les peuples humains, on va dire, les plus anciens, sont de l'ordre de plusieurs millions d'années. Donc, ce n'est pas 1 million d'années comme voilà, on nous l'enseigne, c'est plus de l'ordre de 3 à 5, voire même Oui, je plus. crois qu'on nous enseigne 200 à 500 000 ans. On nous enseigne même pas en millions d'années, je crois, pour Voilà, bah, l'humain, donc le pieux. c'est de l'ordre de plusieurs millions d'années, autour de 3 à 5 et même voire même au-delà. Et donc, en fait, il y avait différents peuples humains, donc c'est-à-dire différents êtres humains avec différentes qualités d'ADN, différentes qualités génétiques. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est que initialement, il n'y avait pas un seul peuple humain, mais plusieurs, en fait. Deuxième chose, c'est que les êtres des étoiles ont toujours été présents sur Terre et ils ont été même présents bien avant les êtres humains sur Terre. Ensuite, il y a deux choses. Il y avait un ADN originel qui est justement, il y a le plan divin de l'être humain qui a été implanté sur Terre. Il y a l'ADN originel qu'on appelle l'ADN adamique. En fait, et initialement, donc quand on remonte encore plus loin, en fait, il y a même des ADN qu'on appelle orafiques. Donc les orafins, ce sont comme, si vous voulez, des planificateurs de vie. C'est comme des anges entre guillemets, des êtres de lumière très avancés qui en fait, créent la vie par génie génétique, par ADN. Et initialement, il y avait 24 brins d'ADN présents. Et progressivement, c'est arrivé ensuite à 12 brins d'ADN avec donc 12 brins éthériques et 12 brins dans la matière, enfin dans des plans plus denses qui étaient même quand même pas les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu cette chute dans la densité, donc dans la conscience, qui fait que petit à petit, il y a eu cette densification, et c'est arrivé jusqu'au fait que, eh bien, l'être humain, donc les peuples humains, il y a eu différentes expériences génétiques sur eux. Finalement, à travers les âges, eh bien, il n'y a plus qu'un seul peuple humain. Qui a en fait traversé les âges sur ceux qui étaient présents initialement. Il y a eu différentes expériences génétiques, alors que ce soit liées au Conseil galactique, notamment les Pléiadiens, donc j'en ai parlé au début quand on a parlé des Pléiadiens, qui au niveau du temps des Lémuriens ont modifié le génome humain. Mais il y a eu également ce qu'on appelle les Anunnaki, où il y avait différents groupes d'Anunnaki. Certains évolutionnaires et on va dire bénéfiques, on va dire pour l'humanité, d'autres conquérants qui voulaient vraiment, enfin qui ont rendu l'humain captif et limité, encore plus limité à travers les deux brins d'ADN. Le fait Nicolas, tu vas très vite sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut redilater un petit peu? Parce que là, tu nous as donné des choses qui sont gigantesques très rapidement. Limite, on va déjà faire une pause sur toutes les informations que tu nous as données. Avec Alors, plaisir. voilà, comme ça, on va un petit peu essayer de détailler. Donc, quand tu parles, en tout cas, des premières espèces, on va dire, donc, quand tu fais référence à ça, donc, on parle bien de Lémurie, Atlantide, enfin, tu peux nous définir de quoi tu parles en fait quand tu parles Alors, des premiers humains? non, je ne parle pas de Lémurie, d'Atlantide ou autre. La Lémurie, l'Atlantide et autres, ce sont des civilisations qui ont des origines non humaines. Par exemple, l'Atlantide, ce sont des expériences, des créations du Conseil galactique en vue d'implanter des civilisations avancées sur Terre. Donc, où il y a eu plusieurs expériences Atlantes, trois à ma connaissance. Si je ne fais pas erreur. Donc voilà, c'est arrivé jusque il y a 12 800 ans, où la Il y a eu le dernière déluge. expérience, voilà, où il y a eu l'un des déluges, parce qu'il y en a eu plusieurs, où il y a eu le dernier déluge qui est consécutif à l'effondrement donc de la partie émergée de la dernière plus grande île qui était Poséidonie. De l'Atlantide qui s'est effondré donc sous la mer et qui a créé donc ces tsunamis. Mais ça, c'est un déluge, c'est la fin d'une expérience atlante parce que
avant, il y a eu d'autres antécédentes, il y a eu d'autres expériences atlantes qui, elles, ont été aussi arrêtées dans différentes circonstances et qui a concouru au fait qu'il y a aussi des effondrements partiels de ce continent qui était au centre, en fait, de là où il y a les Açores. Hein. Donc, c'est vraiment au centre de l'Atlantique. Donc, Et ça a oui, donné c'est sur. le triangle des Bermudes en gros. Voilà, ça allait du triangle des Bermudes, Voilà, c'est ça. mais ça, c'était plus vaste, hein, c'était très vaste, Oui, c'était mais un vaste ça c'est continent. des restes de. Pour moi, j'ai toujours cru que les restes de l'Atlantide, il y a eu un truc de changement dimensionnel qui fait qu'il y a ce triangle des Bermudes qui est en fait un bug dans la matrice quelque part, lié à la disparition, l'effondrement de l'Atlantide, selon Alors moi. Hein. c'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que D'accord. il y a effectivement le fait que déjà, premièrement, les cités atlantes et l'Atlantide étaient sous des dômes énergétiques, étaient donc à l'intérieur, il y avait des niveaux de fréquences différents. Donc c'était, on va dire, dans l'équivalent de l'éthérique. Hein, donc c'était pas dans le plan de la densité, c'était plus élevé. Et ensuite, il y a eu des effondrements physiques aussi qui ont eu lieu sur les terrains. Effectivement, le triangle des Bermudes, les Bermudes fait Bon, partie d'un. c'est pas aux Açores, c'est plus vers les États-Unis, Voilà. mais pour moi, il y avait quand même, pour moi, je le situais vraiment moins vers chez nous et plutôt vers là-bas, quoi. Mais après, bon, C'est une partie de l'Atlantide. Ça, voilà, c'est c'est une ça. par... ça, c'est une partie de l'Atlantide, mais c'était grand. Hein. Oui, c'est Initialement, ça. c'était beaucoup plus grand. Et d'autre part, les États-Unis n'étaient pas comme ils sont actuellement. En Oui, fait, bien sûr. c'est un peu comme parce que la tectonique des plaques évolue beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit, et notamment quand il y a des cataclysmes, ça a évolué beaucoup plus rapidement. Et aussi, sans parler même des interventions des aides des étoiles qui ont soigné la Terre et qui la modèle aussi. Y a Donc tout ça, c'est. 125 mètres de dénivelé de différence au niveau du niveau de la mer, ce qui change énormément le paysage. Ça redessine totalement la carte. Donc, si c'est pas la Lémurie, si c'est pas l'Atlantide, est-ce que tu parles des hyperboréens? Est-ce que tu parles de la Non. race racine qu'on appelle polarienne? Non, Non, c'est même pas ça. non, non, je parle des peuples humains qui ont habité sur Terre et qui ne faisaient pas partie de ces peuples avancés. C'est Ils ont, ils encore. ont, on peut les nommer, on peut les citer. Non, c'est quand tu parles de. C'est les peuples humains originels. Hein. Voilà, c'est D'accord. les habitants humains originels qui ont été. Et donc, il était là vers 5-7 Ouais. millions d'années à peu près, c'est ça. Voilà, enfin 3-5 millions d'années. 3-5 millions d'années. Et qui ont coévolué et qui, pour certains, ont interagi, bien sûr, avec ces civilisations avancées. Et eux avaient 12 brins d'ADN. Voilà, donc il y a eu 12 brins d'ADN et il y a eu également des mixités, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges aussi à certains niveaux entre eux. Alors après là, je te cache pas qu'on est un peu dans le flou. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé il y a 3-5 millions d'années, quel exactement pour que finalement il ne reste plus qu'une seule race. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu différentes expériences des êtres des étoiles. Donc, par exemple, les involutifs, ils sont allés jusqu'à enlever la glande pinéale de certains peuples humains, des Pour êtres voir. humains. Les êtres de lumière, ils l'ont remis la glande pinéale parce que forcément, sans glande pinéale, ben, tu es connecté à quoi? Toi, tu n'es plus connecté à l'aspect cosmique. Donc, tu as plus t'as une sacrée antenne en moins, tu vois. Et Grave. donc, voilà. Donc, il y a eu différentes expériences génétiques comme ça, bah, finalement, qui concourent au fait qu'il y a l'humain qui est ici présent, sachant que c'est encore plus compliqué que ça parce que la Terre a accueilli différents peuples qui n'étaient pas présents originellement sur Terre, qui sont notamment des êtres des Pléiades, par exemple, les Mayas, qui sont arrivés sur Terre, les peuples asiatiques ont des liens aussi avec les êtres des étoiles, C'est les Mu, ça, Pléiades. c'est ça, non? C'est le peuple Mu? Ou pas rien à voir? Alors ça, je peux pas en être certain, mais ça me parle. Quand tu l'as dit, ça m'a parlé immédiatement. En tout cas, il y a des liens au niveau de l'ADN avec les peuples des étoiles, hein, des Pléiades, les peuples à la peau rousse également, les peuples à la peau noire aussi, notamment avec Sirius.
voire Vega aussi. Donc, c'est en fait la Terre, c'est vraiment une terre d'accueil. Les Vénusiens aussi, j'imagine. Les Vénusiens. Alors, les Vénusiens, ils sont présents dans l'intra-terre depuis des éons. Ah, Notamment c'est l'intra-terre. ceux qui ont D'accord. construit Shambhala. Voilà. Et D'accord, donc, d'accord. alors tout ça, c'est très complexe, sachant que ces civilisations-là, il y a eu des civilisations anciennes qui ont évolué, donc qui ont ascensionné, qui sont toujours présentes sur Terre, mais dans des fréquences plus élevées. Par exemple, au fond des mers, eh bien, tu as des êtres qui sont des êtres, des Gaïens. Ce ne sont pas des êtres humains, mais ce sont des Gaïens, sachant que moi, je les appelle les Gaïens, ça veut dire qu'ils sont originaires de Gaïa, qu'ils ont évolué sur Gaïa, ascensionné sur Gaïa, ils ont voilà, des contrats de vie avec la planète Terre hein, pour se réincarner sur Terre, etc., pour participer à son évolution et l'accompagner. Et donc, il y a différents types de Gaïens qui sont issus de différents peuples des étoiles présents depuis très longtemps sur Terre. Et il y a même un groupe de reptiliens qui a évolué en fait sur Terre depuis des éons, passé du stade de lézard au stade de gros lézard, etc. Bon, après, je connais pas les détails, mais C'est ça. jusqu'à devenir un humanoïde reptilien. Donc, il y a même des humanoïdes reptiliens qui sont des reptiliens gaïens, quoi, originaires de la Terre. Voilà. Donc D'accord. Et donc ça, c'était pour la partie donc des premiers peuples, on va dire, évolués sur la Terre. Donc Oui. ensuite, tu nous as parlé donc de l'ADN. Et des Anunnaki. En gros, pour moi, c'est pas très clair. Enfin, si, c'est clair pour moi, mais je préfère que tu précises. Comment ça se passe? Donc, déjà, les premiers qui sont apparus il y a 5 millions d'années, ils viennent du singe, ils sont créés de toutes pièces. Est-ce qu'on a pris finalement, est-ce que la Terre, elle a été même peuplée finalement, volontairement? Est-ce qu'elle a été inséminé au niveau de végétal, animal, ou est-ce qu'il y a quand même une construction naturelle liée à, je sais pas moi, l'évolution tout simplement? Pour moi, c'est un mélange des deux. En fait, c'est un mélange des deux, mais il y a plus de construction extérieure, c'est-à-dire d'intervention extérieure, d'intervention non humaine, plutôt qu'une évolution naturelle. Mais initialement, il y avait un plan évolutionnaire avec des peuples implantés sur Terre pour qu'ils puissent grandir, mais ça ne s'est pas fait parce que il y a eu différentes, justement, on va dire, interférences extraterrestres, extérieures, qui ont modifié ces peuples-là, qui justement se sont ingérés, etc. Et donc finalement a fait que ça a donné une histoire tout à fait différente. Et jusqu'à celle que l'on connaît aujourd'hui, parce que il y a eu les Anunnaki, donc ce sont des peuples issus de Nibiru et issus de Sirius B, et qui sont venus sur Terre avec d'autres. Après, il y a encore d'autres groupes, hein, il y a des peuples aussi d'Alpha Draconis, etc., qui sont venus sur Terre et plein d'autres. Hein, c'est très, très. Il y a eu des Lyriens à un moment donné, voilà, c'est très, très vaste. Alors chacun, voilà, sont dif à différents, avec différents entre guillemets agendas, différents états d'esprit, différents objectifs de venir s'implanter sur Terre, etc. Et donc notamment, la faction limitante, on va dire celle dans la densité des Anunnaki, qui ont limité justement les peuples humains en les limitant à deux brins d'ADN. Notamment, une chose importante qui a été enlevée, c'est la capacité de créer la vitamine C, qui fait que, en fait, ils ont tout fait pour que l'être humain soit dépendant de l'extérieur, donc de son environnement extérieur, plutôt que à l'origine, il avait tout en lui. Et d'ailleurs, on a toujours tout en nous, puisqu'on peut tout réactiver à travers notre divinité, à travers les codes de lumière et à travers notre connexion avec notre esprit et avec l'aide des êtres de lumière et des étoiles qui nous impulsent des codes de lumière au niveau corporel. Eh bien, voilà, les Anunnaki ont limité les êtres humains à deux brins d'ADN et s'en sont servis pour main-d'œuvre
En fait, aussi pour les parquets, entre guillemets, hein, donc il leur crée des villes, etc., donc pour les parquets, etc. Et s'en sont servis pour, en fait, déjà, ils voulaient s'accaparer les richesses de la terre, mais L'or, tout, c'est ça les ils avaient minerais. besoin notamment d'or et de gemmes. Donc, Ouais, c'est dans les ça. mines d'or, dans les mines de gemmes, il y a eu beaucoup d'or qui ont été extraits de la croûte terrestre et extraits de la terre pour être emmenés ensuite sur Nibiru et voire ailleurs, en fait. Et comment ça a été autorisé, ça? Parce que si on a plusieurs créateurs, comment, à un moment, les Anunnaki, ils ont eu, on les a laissés faire? Il y a eu ce principe d'observer, cette expérience, de voir, ce que ça donnerait, enfin, pourquoi on Alors, les a laissés faire? y a eu des guerres, ça n'a pas été sans heurts, il y a eu des guerres, et bien, notamment des temps anciens, il y a eu des guerres, et bien, les êtres de lumière à cette période-là, ils ont perdu la guerre, et ils se sont retirés partiellement de la Terre, et ensuite, a eu cours cette matrice d'enfermement qui a perduré pendant 300 000 ans, hein, donc parce qu'elle ne date pas d'hier, et qui se dissout à présent à pleine vitesse. Par le fait qu'il y ait de nombreux walk-in, par le fait qu'il y ait des fréquences très élevées du soleil central qui sont impulsées et qui aussi émanent du centre de Mère Terre Gaïa. Donc c'est parce que les Anunnaki ont gagné cette guerre qu'ils ont eu le droit de faire ça, quelque part. Ils sont Voilà, attribués le droit. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, c'est, il y a un contexte qui est plus large que ça, qui est un contexte guerrier, qui fait que voilà, ça s'est produit ainsi. Et au-delà de ça, il y a des choses qu'on peut parler de façon plus ample aussi, c'est que historiquement, la Terre elle a été terraformée. Par, Oui, c'est des, ça. les, par, euh, par différents peuples des étoiles et notamment des ancêtres sirusiens. Donc, ce n'est pas les sirusiens actuels, hein, ce sont des ancêtres qui, eux, ont ascensionné depuis. Et donc, voilà, y a eu en fait cette sorte d'équilibre, on va dire, plus ou moins de conflit latent, on va dire, en tout cas, de point de vue différent, en tout cas, sur l'être humain. Que ce soit de différents groupes d'êtres des étoiles ou les êtres de lumière nous ont aidés en nous redonnant des capacités, en nous reconnectant à la source justement pour rediriger les choses vers le plan évolutionnaire originel. Et derrière ça, à côté de ça, il y avait les êtres qui sont dans les aspects colonialistes et limitants et contrôlant, esclavagistes, etc., enfermants, hein, on peut les appeler les êtres de l'enfermement, et bien qui, eux, nous ont limités mis en esclavage. Ils sont même allés jusqu'à faire venir d'autres peuples, notamment les géants. Les Néphilim, ce qu'on appelle les Néphilim, certains d'entre eux, parce qu'il y a différents types de géants encore, hein, il y en a pas, il y a de nombreux types de géants différents, et bien certains géants étaient originaires d'autres. Ah, c'est pas des Anunnaki qui étaient géants, c'était ils ont fait venir Il y en des géants avait, quoi. il y avait des Anunnaki très grands, hein, 3 à 4 mètres, mais il y avait aussi d'autres êtres qui ont été faits venir d'autres planètes qui ont en fait été censés s'hybrider avec l'être humain. Pour en fait devenir leur maître, leur gérant, mais qui eux étaient eux-mêmes ont été censés être contrôlés par ces Anunnakis, ces reptiliens et compagnie. Donc ça ne s'est pas fait, ces géants n'ont pas pu se reproduire avec les êtres humains et donc leurs races se sont éteintes. Et c'est pour ça que dans certaines zones, eh bien, on trouve de nombreux squelettes d'êtres géants qui se sont accumulés. Et après, la Terre a été peuplée d'autres grands êtres qui sont encore d'autres êtres aussi liés avec les plus ou moins liés avec les aides des étoiles. Et donc c'est au moment de ces conflits-là qu'il y a l'intra-terre qui se crée et que ceux qui veulent pas participer qui vont sous terre ou ça se crée beaucoup plus tôt l'intra-terre? Alors, l'intra-terre, quand on parle d'intra-terre, c'est très vaste parce que ça s'est créé à différentes périodes, à différentes époques. L'Agartha n'a pas toujours existé en tant que tel, en tant que réseau de villes confédérées, on va dire, en tant que quantité propre. En fait, il y a eu différents
peuples justement qui sont allés sous Terre. Il faut savoir que ça se fait couramment, hein, c'est pas que sur Terre, ça se fait sur d'autres planètes. Par exemple, il y a une intra-Terre à Vénus que j'ai appris récemment. Il y a une intra-Terre à, il y a de la, il y a une intra-Terre aussi à Mercure, au niveau de Mercure. Voilà, et de, même dans d'autres contrées, dans d'autres civilisations, c'est très courant qu'il y ait des peuples qui aillent habiter sous Terre. En fait, même dans Mars, hein, à l'intérieur de Mars, C'est il y a ça. différents peuples dans différents tubes de lave. Les lava-tubes, il y a très nombreux, des millions de personnes qui habitent. Et donc, pourquoi on va sous terre? Parce que c'est plus facile de maîtriser l'environnement sous terre. Ça évolue moins dans le temps et c'est plus protégé au niveau de tout ce qui est climatique, événements Est-ce que c'est climatiques, lié à la etc. glaciation, justement? Est-ce qu'ils sont descendus pour se protéger Alors, il y a différentes choses. C'est lié aussi. Alors après, il y a aussi l'histoire enfin, la présence de Nibiru, hein, qui tous les, je crois, 6500 ans, tous les 6500 ans, c'est ce que me dit la présence qui m'aide là. Bien, tous les 6500 ans, donc Nibiru passait pas très loin en fait du Soleil, hein, parce que elle a une orbite écliptique, Elliptique, hein, ouais, c'est ça. elliptique. Et donc, par effet gravitationnel, parce que c'est une énorme sphère magnétique qui a des planétoïdes autour, donc c'est un système complet, c'est pas seulement une planète, hein, comme on pourrait le croire, c'est vraiment un système complet, ultra magnétique, avec différents peuples qui habitent au niveau de ce système, et ça crée en fait des cataclysmes par effet gravitationnel, etc. Donc tout ça, c'est bien sûr beaucoup plus facile à gérer quand on est dans J'imagine qu'il doit faire l'intra-Terre. très froid en plus parce que si ça tourne autour du Soleil mais c'est renvoyé très très loin, il doit faire des températures extrêmement basses quand Nibiru est vraiment loin du Soleil. Oui, après ça, je ne peux pas dire au niveau des conditions météorologiques, sachant qu'après, ça peut être aussi des civilisations intra-terre aussi, hein, au sein des Oui. planétoïdes. Ça, je ne suis D'accord, t'as pas pas, d'infos là-dessus. je suis pas intéressé à la vie, comment elle était manifestée sur Nibiru, en fait, et comment c'était vécu. Mais bon, voilà, je pense que c'est comme chez nous, c'est-à-dire dans différents plans de fréquence, dans différents Ah oui, plans de c'est ça, parce que si lumière. on est. Ah oui. On parle de cités qui sont sous des dômes, en fait, Ah oui, c'est ça. Donc il... ouais, c'est comme il y ça. en a eu sur la Lune, c'est d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, donc Didier disait il y a un intra-terre sur la Lune, du coup. Alors, sur la Lune, c'est pas vraiment un intra-terre, sachant que la Lune, c'est un vaisseau. Hein, C'est artificiel, voilà, c'est Donc ça. la Lune est artificielle, c'est un vaisseau, et à l'intérieur de la Lune, il y a des infrastructures qui sont des infrastructures issues d'anciennes technologies, etc. Sur la Lune, par contre, à la surface de la Lune, dans les cratères, il y avait des dômes avec des cités qui se situaient sous ces dômes. Et Ah là oui. encore, il y a eu différents conflits, il y a eu différentes choses qui se sont passées. Et finalement, progressivement, c'est devenu ce que c'est maintenant, c'est-à-dire que voilà, il y avait jusque encore il n'y a pas longtemps, il y avait différents, c'était un peu une zone neutre, un peu une zone suisse, hein, si vous voulez, si tu veux, où il y avait des présences d'êtres de lumière et il y avait des présences d'êtres de l'ombre-lumière, hein, dans des fréquences de densité de la matière. Je fais toujours attention à la manière dont je les nomme Oui. pour ne pas créer de séparation. D'accord. C'est pour ça que j'utilise une terminologie spécifique parce que je ne veux pas induire de dualité dans ce que je dis, sachant que la dualité, ça n'existe pas. Ce sont des êtres qui sont, s'ils ont une âme et voilà, connectés à l'esprit, qui sont de la source. C'est-à-dire que comme on l'a dit, toute vie, toute forme de vie est issue de la source. Simplement, voilà, ils s'en sont écartés, à savoir notamment au niveau du cœur, ils se sont Ils font une déliés. autre expérience. Ouais. Voilà, ils font une autre expérience dans des fréquences plus basses. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ces terminologies-là. Mais en tout cas, ces êtres de l'enfermement ou de basse vibration, eh bien, étaient présents aussi sur la Lune. En fait, de manière concomitante. Mais maintenant, la Lune a été libérée et la Lune, maintenant, il y a la présence des êtres galactiques et la présence aussi du programme spatial secret. La Lune fait partie maintenant intégrante de l'humanité.
Si, d'accord. Donc l'heure tourne et du coup je t'invite à continuer un petit peu ce que tu avais préparé pour aujourd'hui. Oui. Voilà qu'on puisse parler un petit Ah peu de oui, tout ce que tu voulais me c'est dire. très, c'est vraiment hyper vaste. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, alors voilà, nombreux peuples humains ont des liens de parenté plus ou moins donc forts avec les ETs, donc avec les êtres des étoiles. Donc ça, j'en ai parlé. Et donc, alors oui, il y a autre chose que je voulais dire, c'est en fait, il n'y a pas que au niveau de la biologie, de l'instrument biologique. Que en fait la Terre a été une terre d'accueil. Il y a aussi au niveau des âmes, parce que il y a également Tiamat, qu'on appelle aussi Malona, qui a explosé donc suite Ah à oui. un conflit, donc qui a créé la ceinture d'astéroïdes. Ah oui, Et c'est ça. quand ça a eu lieu, en fait, ça a modifié l'axe de la Terre, parce que ça a été un immense souffle, sachant que c'était la plus grosse planète tellurique du système solaire, de loin, hein, c'était de très loin, ce qu'on me dit, hein, c'était vraiment une très très grosse planète Parce que tellurique. Jupiter, c'est gazeux, finalement, c'est pas tellurique, du coup. Voilà, tout à fait. Ouais. Et là, c'était vraiment tellurique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, ça a changé d'orbite la Terre, ça a changé d'orbite Vénus. Donc, le système solaire, hein, dans son entier était très, très perturbé. La Terre, au niveau de son axe, son axe, elle ne tournait pas comme ça, mais elle oscillait, elle tournait n'importe comment, C'est etc. pour Donc, ça qu'il c'était y a eu pas. la Lune qui a été rajoutée pour Voilà, c'est rééquilibrer ce ça. balancier. Exactement. Et c'est pour Ah. ça que la Lune a été ajoutée d'urgence et en catastrophe Ah. autour de la Terre pour que la Terre cesse de vaciller au niveau de son axe, Quoi? mais finalement que ça fasse un effet balancier, que la, C'est pour et ça que qu'elle tourne à la. la même vitesse exactement et Voilà, qu'elle c'est peut pas ça. se Donc cacher. c'est pas du tout un hasard. Le positionnement de la Lune a été, bien sûr, c'est un savant calcul. Tout est savamment calculé, et c'est pour permettre justement en fait à la vie d'avoir des conditions propices pour pouvoir en fait évoluer et perdurer. Et Est-ce que Tiamat, c'est lié au déluge? Est-ce qu'il y a un lien entre Tiamat et le déluge ou c'est bien avant? alors ça, c'est une question un peu difficile. Il peut y avoir Il y a Tiamat. peut-être eu un autre déluge. Déjà, donc les déluges, comme je disais, il y en a eu plusieurs. Oui. Donc, parce qu'il y a eu différentes expériences. Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, oui, c'est qu'il y a eu des, il y a eu des, c'était cataclysmique, en fait, ce qui s'est passé au moment de l'explosion de Tiamat, ça a été cataclysmique sur Terre. Mais c'est pas la cause, c'est la cause d'un déluge, mais il y en a eu d'autres. Mais pas celui-là. Et Voilà. donc, tu arriverais à le situer par rapport à l'évolution de la Terre. On était au niveau de quelle civilisation, de quel moment? Tu dirais c'est en millions d'années, en milliers Enfin, d'années en... moi je dirais c'est de l'ordre de centaines de milliers d'années. Ok. Moi je dirais c'est plus parce que ce que j'ai cru entendre, c'était plus de l'ordre de 300 500 000 ans, des choses comme Ok. ça, quoi. Ok. Donc, c'est pas du tout le dernier déluge, mais il y en a eu. Un certain nombre de déluges, peut-être 5-6, hein, il y a eu beaucoup de périodes de glaciation aussi. Apparemment, on Voilà, a eu presque 100 000 ans de glaciation d'affilée. et effectivement, et tout ça, en fait, c'est dû à tous les événements qui sont arrivés dans le système solaire. Alors, que ce soit l'explosion de Malona, que ce soit Tiamat, que ce soit Nibiru, voilà, donc c'est très riche. Et encore là, vraiment, on fait vraiment que résumer les choses, hein. Les détails, vraiment, on les connaîtra Et ce ne serait pas quand. lié non plus aux dinosaures, hein, la disparition des dinosaures, Tiamat. Non, c'est entre les deux, c'est Ah plus oui, récent. alors la disparition des dinosaures, mais ça c'est encore une autre histoire. Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'était pas naturel? Il y a en fait justement certaines théories que la comète en fait qui s'est écrasée sur Terre, elle aurait été dirigée en fait par une technologie pour justement mettre fin au règne des dinosaures. Qui donc voilà, ça c'est encore une autre chose, une autre histoire, hein. D'accord. Je te laisse continuer parce que on s'approche Ouais, tout doucement à fait. de. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, donc il y a différents peuples, notamment de Mars, parce que Mars, c'est pareil. Mars avait de l'eau. Mars avait des peuples, différents peuples, notamment aquatiques, amphibiens. Il y avait des civilisations sur Mars. Mars était lié à Mélona.
à Malona, et Mars a été aussi éjecté de son orbite, etc. Donc, c'était vraiment cataclysmique à ce niveau-là. Et quand la vie n'a plus été propice, justement suite à l'explosion de Malona, il y a de nombreuses âmes, de nombreux peuples, qui sont de nombreux peuples, qui ont pu plus, qui n'ont pu plus se réincarner ni sur Mars ni sur Malona. Et à ce moment-là, les âmes, elles ont passé des contrats, donc différents groupes d'âmes ont passé des contrats et ont été prises en charge par la Terre, donc Mais pouvoir ils se arrivent en réincarner tant que sur Terre. walking quand c'est comme ça, ou ils font partie du Non, processus d'incarnation de... ils sont inclus dans ce qu'on appelle le réservoir d'âme. Donc il y a un réservoir d'âme, et le réservoir d'âme, c'est comme un réservoir qui fait qu'il est puisé dans ce réservoir à travers différents processus pour qu'une âme puisse s'incarner. Et donc, ce sont des groupes d'âmes que tu es inclus dans l'espace d'incarnation terrestre pour pouvoir ensuite faire une expérience terrestre et justement guérir du karma lié à la destruction de Mélona et de différentes guerres qui ont eu lieu, sachant que ces peuples-là, les peuples liés à Mélona, à Malona et Tiamat, n'étaient pas originaires, avaient aussi des liens avec des êtres des étoiles. Oui, bien sûr, parce que on est tous multidimensionnels, ça, on est bien d'accord. Voilà, mais même, je veux dire, ils avaient des, c'était des, comme une colonie. Et moi, mon Oui, ressenti, c'est c'est vraiment ça. que Tout le système solaire, c'était et une colonie, ouais. l'expérience n'est pas que sur Terre, c'est dans tout le système solaire, finalement. Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. Voilà, donc ce que je voulais dire à ce propos. Donc ça, c'était très important. Donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, voilà, là, on est vraiment dans l'histoire, dans ce qui s'est passé sur Terre. Alors prenez ça aussi avec des pincettes. Faites vos propres recherches, faites vos propres recoupements. Il y a de très nombreuses informations justement dans les livres anglo-saxons, etc. Ça peut différer aussi au niveau en fonction des dates, etc. Bon, là j'ai repris les choses qui sont, on va dire, issues d'un sorte de consensus. Donc c'est les informations qui reviennent le plus souvent, on va dire, hein. Sachant que je reçois des informations aussi en canalisation en même temps. On me donne des codes et des informations en même temps Je que veux je dire, c'est celles parle. qui font consensus, mais voilà, après on peut l'explorer d'autres voies, mais ça, on va dire, ça c'est le tronc commun qui est plus Voilà. ou moins accepté par tout le monde qui auront accès à Voilà. des informations de ce style-là. Voilà. Sachant que, comme dit, c'est pour résumer, voilà ce qui s'est passé en 5 millions d'années sur Terre. Voilà, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps que ça, mais c'est dans les très grandes lignes, on va dire. Le message, c'est que l'humain a toujours cohabiter, coexister avec les êtres des étoiles. Et par rapport au fait que, on avait encore, il y a serait-ce qu'une certaine dizaine d'années, etc., que 2 brins d'ADN, eh bien, on peut activer nos 12 brins d'ADN par différents processus. Donc, c'est le processus d'élévation vibratoire, donc de guérison de nos mémoires, de nos mémoires transgénérationnelles, de nos mémoires karmiques, de nos mémoires cellulaires, de façon à ce que nos cellules soient de plus en plus lumineuses et qu'on puisse Ça permet reconnecter. quoi? Eh bien, ça permet en fait petit à petit d'accueillir un quotient de plus en plus élevé de notre fréquence d'âme, de notre fréquence de notre esprit, et ça permet à l'âme de plus en plus, de toujours plus s'immerger dans et se fusionner avec le corps humain. Et à ce moment-là, ça permet aussi, en travaillant avec les êtres de lumière, qui nous envoient différents codes de lumière, sans parler même des différents codes et des énergies solaires et liées à Gaïa aussi, qui sont données, eh bien, ça permet de réactiver notre ADN jusqu'à même à réactiver. Il y a des ateliers qui existent, j'en ai participé, pour réactiver donc les 24 brins d'ADN, donc 12 brins physiques et 12 brins éthériques, pour retrouver notre Donc, donc, ils plénitude. sont, donc, ils sont aussi en... Ah, ça, c'est intéressant. Je pensais que les 10 de plus des deux, on les avait en éthérique, mais non. Ce que tu nous dis, c'est que les 12 brins d'ADN, c'est physique.
C'est pas 2 physiques et 10 éthériques. Alors en fait, ils sont présents en termes de mémoire. Les 10, ils sont présents dans l'éthérique, mais il y en a encore 12 autres, de façon à ce que ça fasse 24 en fait au total. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce que au fur et à mesure qu'on ascensionne, notre corps physique lui-même se dédensifie, donc devient lumière, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui fait qu'on va passer d'un corps de carbone à un corps de silice. Oui. Et finalement, eh bien, c'est la matière en fait qui va vers la lumière, c'est la matière en fait qui s'éthérise. Donc la Le corps de matière gloire, s'éthérise. c'est un peu ce qu'a vécu Jésus quand il a vécu Voilà, sa quand il a transfiguration. ascensionné. Voilà, Ouais. quand il a ascensionné, en fait, c'est-à-dire que notre matière s'éthérise, se dédensifie, se luminise, si on veut. Et finalement, ben, c'est pour ça que notre corps humain, en fait, eh bien, c'est plus la densité qui va vers la lumière. C'est ça vraiment qui se manifeste et qui nous permet d'engranger, de reconnecter à la lumière qui a finalement toujours été là, c'est la lumière de l'esprit, mais qui nous permet cette fois-ci de l'incarner dans des plans de fréquences qui sont plus denses, on va dire. Est-ce que tu pourrais, il y a une question de Sherkan et je suis d'accord, est-ce que tu pourrais nous, peut-être on le fera à la fin, mais nous partager du coup une bibliographie intéressante justement. Alors on pourra peut-être le rajouter après en commentaire de la vidéo demain ou pas forcément Oui. maintenant. Mais en tout cas, si tu pouvais nous partager quelques liens, peut-être pas, tu vois, qu'il y a 4-5 ouvrages qui te semblent incontournables pour percevoir tout ça. Que ça soit en français ou même dans la culture anglo-saxonne et qui pourquoi pas serait traduit, je pense que ça peut nous aider à aussi nous faire notre propre opinion, je pense, sur d'autres pensées. Et ça, ce serait vraiment très chouette. Oui, vous avez de très nombreux auteurs, notamment oui, Sheldon Neidley. Voilà, le titre, je ne l'ai plus en tête, mais bon, je vais le retrouver. Hein, c'est lié vraiment au voisinage galactique. Alors, vous avez de très, très nombreux aussi. Vous avez Guillaume Delage aussi, Ah oui, bien sûr. que tu connais peut-être, hein, qui a fait un merveilleux livre sur l'Atlantide où justement, lui, il parle des différents peuples, différentes races qui ont existé. Alors c'est éminemment complexe. Hein. Voilà, on pourrait faire des émissions entières sur ce sujet. Voilà, je te transmettrai, je regarderai ce qui Voilà, paraît avec plaisir. Et pertinent je mettrai et en voilà. biographie, je te donnerai tout Voilà, ça. une bibliographie. Est-ce qu'il y avait encore toi des choses que tu voulais aborder ou je peux venir encore sur quelques petites questions? Non, voilà, simplement, comme je le disais, ben, c'est qu'on a tout en nous et c'est vraiment ce qui est vraiment important, c'est d'aller en soi, de se connecter à son soi divin, à sa fréquence, à son âme et bien sûr à l'esprit. Et que c'est en faisant ça qu'on se libère. Et qu'on se libère justement de l'incarnation, de la matrice, et finalement pour avoir jusqu'à avoir des vibrations qui vibrent au-delà de la matrice et qui ne sont plus captives d'un quelconque enfermement en fait. Parce qu'il y a même, on précise, il y a même une matrice spirituelle. Il n'y a pas que la matrice de big system au sens large. Il y a Voilà, pas la... oui, c'est ça, c'est qu'il y a la lumière, il y a la fausse lumière, après il y a la lumière qui est plus ou moins oblique, moi j'appelle ça la lumière oblique. Donc il y a qu'un seul maître, c'est vous, c'est votre soi divin, c'est vous, c'est qui vous êtes, c'est votre esprit qui prend une forme, c'est votre boussole, c'est vous, c'est votre cœur, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de co-créer justement vous-même, pour vous-même. Voilà, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que on vit ce envers quoi on donne de l'énergie Oui, dans sa vie. oui, Et oui, c'est ça. ce qui est important, c'est vraiment incarner dans son quotidien, c'est incarner la lumière, incarner qui on est en tant qu'être de lumière.
Et en ce sens, c'est à ce moment-là, la lumière ne nous quitte plus jamais. Donc, quoi qu'on fasse, qui qu'on rencontre et quelle expérience que l'on fasse, eh bien, à ce moment-là, on incarne cette lumière de l'esprit qui prend une Mais forme, la source, quoi. ce que j'ai cru, enfin remarqué en tout cas dans ma propre expérience, c'est que on a besoin finalement d'accéder certaines fois à des connaissances pour retrouver son soi. C'est paradoxal, c'est-à-dire que finalement, on est déjà tellement influencé malgré nous que d'une façon, pour se libérer des influences de la matrice, il faut avoir quand même un minimum de bagage de connaissances, d'où pourquoi pas les ouvrages que tu pourrais nous proposer. Parce C'est que j'ai ça. l'impression que de toute façon, ça s'apprend de désapprendre. Et que C'est ça, c'est ça, c'est pas forcément, tu vois, ouais. spontané ou. Mais c'est ça, exactement. Ça s'apprend des apprendre. Voilà, quand on n'est pas du tout éveillé, ben voilà, on croit que certains ne croient même pas à la vie après la mort, donc ne croient juste en leur forme. Après, d'autres croient en un au-delà, en un Dieu, etc. Et finalement, après, on se rend compte que progressivement, ben, que on a des origines des étoiles, etc. Ben, et finalement, ben, on peut aller jusque à l'ultime des apprentissages, à l'ultime croyance, qui est de ne croire en rien, quoi. Je veux dire, parce que après, c'est plus des croyances, c'est une évidence. Donc, mais en tout cas, ce qu'on est, finalement, on ne peut pas l'identifier. On ne peut pas savoir ce que c'est. On à jamais vivre la plénitude de ce qu'on est en tant qu'être humain, même si on vivait des millions d'années. Tu vois? Est-ce que toi, tu Et arrives à appréhender justement la conscience derrière la forme? Est-ce que finalement tout ton apprentissage t'a permis de soustraire de la forme pour voir l'essence pure de cette conscience qui a créé tous ces univers, tous ces super univers, comme tu dis. Est-ce que tu lui donnes. Parce que on voit bien qu'il y a quand même de l'involution, d'évolution. Enfin, c'est pas tout rose. Donc, cette conscience, elle est quand même. Même si on fait un meurtre, on est quand même cette conscience. Et elle a autorisé cette expérience. Donc, je pense pas qu'elle soit que lumière. Elle est neutre, finalement. Elle est dépolarisée. c'est ça, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est une expérience, et ce type d'expérience n'existe et n'est possible que dans les dimensions expérientielles où ça a été rendu possible. Donc c'est une expérience qui est voulue, en ce sens rendue possible par la source. Et c'est pour ça que, par exemple, même au niveau des chakras, il y a des programmations spécifiques au niveau énergétique qui fait que les chakras peuvent tourner dans un sens ou dans un autre. Donc dans un sens, voilà, donc dans un sens positif, dans un sens négatif. Et dans un sens négatif, eh bien, ça peut que aller, par exemple, jusque dans certains niveaux de fréquence. Au-delà, ça ne peut pas aller, parce que l'expérience ne va pas au-delà d'un certain stade, au-delà d'un certain seuil, en fait. Parce que c'est quand on se reconnecte dans le sens de la source qu'on est plus ou moins illimité. Voilà, Sinon, c'est c'est ça. la séparation est limitée quelque part. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on met des conditionnements, quand on met des limitations à l'amour de soi et à l'amour donc de la vie d'autre soi, parce que nous sommes la vie, on est une expression de la vie, tel un oiseau, tel un brin d'herbe, tel un autre être humain, tel un autre être des étoiles, telle une planète, telle une étoile, une galaxie, voilà. Et bien, quand on met des limites à ça, ben après on va vivre ces limites auxquelles on croit ou on adhère. Et la vérité, c'est qu'en fait, eh bien, on est au-delà on est antérieur à toute création. C'est-à-dire qu'on vient au-delà de toute création, on vient de la A-conscience, on vient de l'incréé, et que au niveau existentiel, on a toujours existé, mais on fait une expérience de création, de créativité, une expérience d'itération infinie, de perfectionnement de l'être, jusqu'à retourner au firmament de qui on est dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'éternel futur, mais qui existe déjà, Voilà, ouais, c'est qui ça. Et je vais dire, voilà. est-ce qu'on a toujours existé ou est-ce qu'on vient d'un espace hors temps? Et Ah, finalement, dans cet espace hors temps, oui, mais il n'y a pas de temps. Du coup, on peut il y a dire pas qu'on de a toujours temps, il y a existé. pas de temps. C'est ça, Voilà. c'est-à-dire Voilà. que
Étant donné que toute création est une extension de la source, et Oui. la source a toujours existé, donc voilà, on fait partie de ce qui a toujours existé, et on fait cette expérience-là aussi, on fait aussi partie de la création, en ce sens que à travers l'esprit, on projette l'intelligence et l'amour à travers l'essence divine, à travers l'âme. Eh bien, en fait, cette expérience d'être incarné dans des plans de densité ces expériences de créativité et de voilà d'apprentissage de c'est quoi l'amour en fait? Qu'est-ce qu'on est? Exactement, Donc on exactement. le vit en fait. Voilà. Rapidement, vu qu'on s'approche doucement de la fin, il y a Sandy qui voudrait que tu nous parles un petit peu des langages galactiques, enfin des étoiles. Et je pense que derrière sa question, c'est finalement, est-ce que c'est bien pour ceux qui le pratiquent, de le pratiquer? Est-ce que ça change nos fréquences? Est-ce que c'est plutôt à déconseiller? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ceux qui parlent la langue de lumière ou les langues galactiques? Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah moi j'aime beaucoup parce que le langage humain est très peu fréquentiel par rapport voilà au langage galactique qui se relie à des fréquences plus élevées, beaucoup plus élevées que les langages humains. Et donc moi j'aime beaucoup. Alors après des langages galactiques, il y a différents langages galactiques, il n'y en a pas qu'un. Quand on dit voilà, je parle en langage de lumière, oui, mais lequel? Parce que enfin. Après, on n'a pas besoin de le comprendre parce que c'est la vibration qui parle au cœur, qui parle à l'être, qui parle à l'âme, qui fait vibrer les choses et qui reconnecte aussi l'âme à des fréquences et à des groupes de conscience qui font partie de notre divinité, notre soi divin. Mais vous avez le langage, par exemple, de lumière dragonique, vous avez des langages autres encore qui existent. Vous avez un langage reptilien aussi, par exemple. Est-ce Qui a que ça beaucoup nous aide de. à récupérer nos 12 brins d'ADN ou pas? De parler de ces langages de lumière? J'aurais tendance de but en blanc à dire oui, parce que à partir du moment où ça nous relie à des codes de lumière, parce que l'ADN, ce sont des codes de lumière qui sont manifestés sous une forme dense, de densification. Donc à partir du moment où ça nous relie à des codes de lumière que l'on peut engranger, que l'on peut emmagasiner justement à travers notre ADN et qui nous relie après à travers ces antennes, parce que ça vibre, hein, l'ADN, c'est une vibration, c'est comme une antenne. Hein, Bien sûr, qu'il y a les ondes scalaires aussi, j'imagine, qui rentrent en résonance avec tout ça. Voilà exactement. Et donc, eh bien, ça nous permet de reconnecter à certains codes, certains groupes de conscience. Donc, oui, ça active ça peut activer l'ADN, ça permet d'engranger des codes de lumière. Donc, c'est très aidant. Moi, ça me parle beaucoup. Et après, en plus, c'est magnifique parce que ça bypasse le filtre du mental. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Donc ça nous connecte à notre moi universel, on va dire. En tout cas, ça Voilà, libère notre âme, quoi. c'est-à-dire que tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment accueillir et puis voir qu'est-ce qui vibre en nous dans le langage qu'on écoute ou dans ce qui est vibralisé. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très marrant, très intéressant. Et puis certains le font très bien. Certains le font. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, Nicolas, on s'approche de la fin. Donc, il y a beaucoup d'amour qui est partagé, notamment Patricia qui a envoyé un big hug que j'ai affiché. Et du coup, tout le monde remercie Patricia pour cet élan d'amour partagé dans notre espace multidimensionnel d'échange. Eh ben, toutes les meilleures choses ont une fin, les amis. Et sinon, personne ne va regarder la vidéo. Moi, je dis toujours que je ne dois pas dépasser 1h40. C'est un peu Voilà. déjà dépassé. Voilà. Est-ce que Nicolas, tu aurais un mot de la fin ou quelque chose pour voilà d'important que tu aurais peut-être occulté depuis le début de notre échange ou qui te paraît en tout cas une bonne conclusion? La bonne conclusion, c'est vraiment voilà, déjà on est tous égaux, on est tous la source en manifestation, et on a tout en nous. Il y a rien à l'extérieur. Donc, c'est vraiment faites-vous vibrer
Voilà, élevez vos vibrations, reconnectez-vous à votre divinité et faites à ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur, votre âme, votre esprit. Et c'est ainsi voilà, qu'on va pouvoir avancer tous ensemble et qu'on va avancer sur le chemin de cette ascension. Parce que l'ascension, c'est un processus qui est à la fois collectif, donc qui se vit collectivement. À travers aussi ce qui se passe dans le système solaire et même au-delà, parce que ça va encore plus loin que ça. Mais c'est avant tout aussi, bien sûr, un processus individuel et ça se passe en nous, en soi, en Et chacun voilà, d'entre nous. c'est vraiment cet état quantique simultané qui est à la fois, c'est ça, dans le tout et dans l'un. Finalement, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'illusion, mais en fait, il ne faut pas non plus, enfin, faut jouer la vie aussi, quelque part. Et donc, c'est vraiment cet équilibre entre les deux. Voilà, Voilà. tout est important et rien n'est grave, C'est finalement, ça. et c'est chouette. Merci. C'est l'équilibre tertiel. Voilà, l'équilibre tertiel. Exactement. Mais moi, tu sais que je me connecte en plus quand je fais mes voyages multidimensionnels, je me connecte au centre de Gaïa au niveau du cœur et aussi au soleil central Ouais. d'Alcyone. Et c'est vraiment comme ça que je fais ma reliance tertielle au niveau de mon Ouais. ancrage. Voilà. Magnifique. Alors, merci, il y a des remerciements de partout, je n'ai pas le temps de les afficher, Merci, mais merci en à tout cas, toutes et à tous. c'était chouette. Bah écoute, on va devoir te réinviter, je pense. Et en Oui, même temps, bah, y a, voilà, j'ai oublié, donc très important quand même. Si vous voulez suivre Nicolas, donc il y a son site eveillum.com et eveillum.fr. Alors, quelle est la différence entre les deux? alors, eveillum.com, c'est le magazine informatif voilà, où je relaie des vidéos qui peuvent être celles-ci, par exemple, ou celles que tu fais. Voilà, c'est vraiment informatif. Il y a de la divulgation, il y a des méditations. C'est très, très vaste. Donc, il y a 7000 articles. N'hésitez pas à C'est fouiller ça. dans les rubriques qui vous intéressent. Il y a des rubriques sur les êtres de l'intra-terre, sur les technologies cachées, l'énergie libre, les civilisations anciennes. Enfin, c'est un gros, gros travail. Eveillum.fr, c'est vraiment lié aux ateliers de développement personnel et spirituel que je réalise. Bah, notamment, en ce moment, j'œuvre avec Philippe Gilbert, mais également avec Angélique. Et voilà, il y a des ateliers qui sont en cours où vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Ok, chouette. Donc alors on a le lien, mais il est trop long, mais on va le remettre. Mais en gros, voilà, Voilà. vous pouvez voir des ateliers pour un rééquilibrage quelque part. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça, c'est un soin des chakras, de rééquilibrage, d'ajustement, de calibrage. Et dans l'espace du cœur sacré, une connexion avec sa famille d'âme. Donc, Ce qui est important, ouais. vous pourrez recevoir des infos et communier avec eux en fonction de votre ouverture. Vous pouvez les voir ou les entendre, recevoir des codes. Voilà, donc c'est une méditation qui marche très bien. J'ai eu de très bons retours. Donc, elle se trouve sur réveillon.fr. N'hésitez pas à la consulter et Voilà, à pratiquer vous si ça allez vous depuis le site, vous intéresse. allez la trouver facilement. Et il y a bien Voilà. sûr ta chaîne YouTube où tu fais toutes tes interviews. C'est régulier, ouais, c'est 2, 3 fois par semaine à peu près que tu interviens en gros. Oui, ça, j'avais pris un peu de recul là parce que j'avais beaucoup de choses personnelles à vivre, voilà, notamment au niveau familial aussi. Voilà, là, je vais reprendre les interviews et notamment ben, la semaine prochaine. Donc voilà, c'est régulier toutes les semaines en général. Ouais. D'accord, bah écoute, merci à toi. Et puis je pense que Merci. voilà, il y a encore des commentaires de partout. On a tous adoré t'avoir et merci en tout cas pour ce beau Merci. cadeau et puis pour bah, toutes tes fréquences, ton naturel, ton humilité et en même temps tu as un puits de connaissances, Nicolas. Donc franchement, Merci. à Merci très très Sydney. bientôt. Merci à tous. Au À revoir. bientôt, au revoir.